Bonjour. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne de la gauche qui se donne de la force et qui banne les faf. Aujourd'hui, on va faire des trucs de gauche et on va continuer la lecture des patates chaudes de Katia Yacoubi. Alors, dans l'ordre, bonjour Golavier, bonjour Mo, bonjour Pitbull Mister, bonjour les lurkers. Merci pour les derniers follow à Mufas26 et à Kitty Caramba. Que tout le monde soit les bienvenus. On va commencer, comme d'habitude, et bien évidemment, par les pépites. Hop, jingle pépite. Oui, c'est un jingle très pauvre. Mais c'est un jingle. Vas-y, toi, ta gueule, voilà, comme ça. C'est beaucoup mieux, nous y sommes. Alors, qui connaît Marguerite Cazeneuve? Vous la connaissez, vous, Marguerite Cazeneuve? Moi, je ne connaissais pas Marguerite Cazeneuve. C'est la madame qui va s'occuper de la réforme des retraites. Mais encore, si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Eh oui! Son père est député LREM, son frère est député LREM, et son mari, c'est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une ex-McKinsey. Il n'est pas beau ce profil? Non, il n'est pas beau ce profil. Alors, une histoire de Bernard, je sais même pas, mais le reste, ça se suffit. J'étais absente hier pour cause de manif interpro à Toulouse, mais j'ai regardé en rediff hier soir quel festival de pépites. Oui, hier soir c'était... hier soir, non, hier, pardon. Oui, c'était assez hardcore. C'était assez hardcore. Donc voilà, c'est la madame qui est ici, là. Là, je pense qu'on a... Oui, Mo, on a un bingo. On a un bingo. Le seul truc qui manque, c'est, je ne sais pas ce que font ces enfants. Est-ce qu'ils ont déjà des conflits d'intérêts? Est-ce qu'ils perçoivent déjà des sommes d'argent faramineuses pour faire un PowerPoint qui ne fait pas du tout avancer les choses dans le cadre d'un conseil de sécurité? Est-ce qu'ils sont élus REM? Je ne sais pas. Ils piochent dans les poubelles de la REM dans 20 ans, il n'y en aura plus. Avant, j'espère. Hein. Bonjour Nagual! Comment vas-tu, Nagual? Tu vois, Nagual, je ne te ghoste pas. Nagual qui a osé faire un caca nerveux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Juste parce que j'ai eu l'outrecuidance de faire passer Balrog avant lui. Sachant que Balrog dépend de moi pour sa survie. Alors que Nagual, il est autonome pour sa nourriture et ses sorties par rapport à moi. Quand même. Comme un jeudi, vendredi, oui. Oui, j'ai vu ça ce matin. Ils sont assistants parlementaires, ces enfants. Ah, peut-être. École de commerce, donc un petit 1000 euros d'argent de poche. C'est possible. Donc là, allez, c'est pour le kiff. C'est un bébé éléphant qui découvre la mer. Ça, c'est juste pour se faire du bien. Parce que quel bonheur. Je vous le laisse un petit peu. Petit effluve de bonheur comme ça. Note les moqueries envers le collègue avec la TR pour le Freedom. Tu veux quoi, Donio? Je vous donne 100% d'augmentation salariale, c'est ça? Je vous donne 100% d'augmentation salariale, pas de problème. Je vous donne même des primes, tiens, qui vont représenter 250% de votre salaire, si tu veux. Comme ça, cash. Attends, moi je plaisante pas avec ça, hein. Le salaire c'est important. Bonjour Donio. Chut, Pitbull Mister, chut, faut pas le dire. Faut pas le dire que 100%.
On veut plus. Ah ben, mais dis-moi combien de pourcents tu veux, hein? C'est, dis-moi, c'est, je fais ça, mais dans la seconde. Donc, ça, ce sera pour tout à l'heure. Bon, les petites moqueries, hein, avec Bruno Le Maire, tout ça. Parce que c'était Bruno le Rebond, c'est devenu Bruno Demande. Maintenant, bah, c'est devenu Bruno Doudoune. Voilà. Et là, juste un petit rappel de la France Insoumise. En un an, le prix d'un plein de courses a augmenté de 12,4%. Si vos revenus n'ont pas augmenté de 12,4%, ben ça veut dire que vous êtes en plein dans la douille. Quoi qu'ils vous disent. D'ailleurs, profitons-en pour rappeler qu'il y avait une histoire de chèque alimentaire qui avait été promis. Et on est un peu comme la Serane, on n'a toujours rien vu venir. Pour les voitures électriques, ouverture de la station Claude-François. Toujours intéressant d'avoir les bonnes adresses. Salut Hérol. T'as eu la même augmentation que les modos en pourcentage ou en données brutes? Parce que si c'est en pourcentage, tu te mets bien, hein. Si c'est en données brutes. Bon, un petit clin d'œil à la communication gouvernementale, hein. En données brutes, hein, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Donc vous avez les éléments qui vont déterminer notre hiver, là. Vous avez le pull roulé, vous avez la doudoune et vous avez le Tankerville de Gilles Legendre. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça. Gilles Legendre y est allé de sa connerie. Parce que, alors là, Gilles Legendre, c'est un truc qu'on peut lui reconnaître. S'il y a une possibilité, une occasion de dire une connerie, il y va. Le gars, il est régulier, il est au rendez-vous tout le temps, il donne de sa personne. Et donc, il a dit que ils étaient passés du sèche-linge à l'étendage. Je pense que la prochaine fois, Gilles Legendre va inventer l'eau tiède. Le mec a découvert qu'on pouvait sécher son linge autrement que dans un sèche-linge. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire un jeu Gorafi not Gorafi. Et il y a vraiment des moments où je suis sûr qu'on se plante. J'en suis sûr. Il étend le linge, le gars. Il n'a pas dit qu'il l'étendait lui-même, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Ça reste de la bourgeoisie, donc. Ah, il éteint le linge, pardon, t'as pas fait de faute de frappe. Pardon, pardon, il éteint le linge, ouais, oui aussi. Aussi, du coup. Donc là, ouais, facile, les devinettes, facile. Michel Drucker, quel est le plus vieux monument de Paris? Ah, attends. C'est pas le T9 non plus. Le mec a eu son moment Eureka en oubliant son slibard sur le balcon. Il s'est creusé la tête pendant 3 mois et a pendu un rapport de 50 pages sur les étendoirs Tankerville. Je crois qu'il y a quelque chose du genre. C'est ça. Alors, believe it or not, Bruxelles juge le RSA français trop faible. Sans déconner, Sherlock. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pas suffisant. Oh, mais alors, le minimum vieillesse, c'est pas suffisant non plus. L'AAH, c'est pas suffisant non plus. L'ASS, pareil. Tout ça, c'est pas suffisant parce que c'est en dessous du minimum vieillesse, c'est ça. C'est en dessous du seuil de pauvreté, pardon. Peut-être on a une piste. Et bon, ça va rien changer, hein. Rassurez-vous. Parce que on prend en Macronie, on prend l'Europe en exemple quand ça nous arrange. Pas quand l'Europe, elle dit vous faites du caca là.
Donc ça va être comment dire? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je pense. Ensuite, Elisabeth Doudoune-Borne. Elle est en doudoune, mais le 9 juillet, son Falcon a fait Paris-Aix-en-Provence, 3 heures de TGV, l'équivalent, pour faire une intervention de 20 minutes, puis Aix-Avignon, 70 km, pour assister à une pièce de théâtre, et Avignon-Paris, donc 2h40 de TGV, pour la ramener chez elle le soir. Mais elle met une doudoune, alors ça va. Et j'ai vu passer une réflexion qui n'est pas sans m'inquiéter, parce que là, bon, pour cet hiver, et c'est vas-y la doudoune, vas-y le col roulé, vas-y le Tancarville, machin, tout ça. Mais l'été prochain, on aura toujours des problèmes énergétiques. Et là, ce sera plus les doudounes et les cols roulés. Ils vont tous faire leur discours et leurs apparitions publiques en slibard pour dire comme ça, on n'allume pas la clim. Moi, je suis désolée, mais ces gens-là, que ce soit les mecs ou les nanas, j'ai pas envie de les voir en slip. Hein. Donc, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ça va beaucoup trop loin, cette histoire. Faut qu'ils arrêtent. C'est cool d'avoir un Falcon, j'en ferais bien plus, moi. Bah, elle n'est pas allée voter, mais c'est juste parce qu'en juillet, il n'y avait pas d'élection. Donc, alors, en Suisse, c'est bien aussi, hein, puisqu'ils proposent de se doucher ensemble pour faire des économies. Alors, vous, je ne sais pas, mais en ce qui nous concerne, monsieur Chéri et moi, si on prend des douches ensemble, on va consommer beaucoup plus d'eau qu'à prendre chacun sa douche. Clairement. Mais on va pas reparler de sexe tout de suite. Salut ma cobble-boy. Macron en slip. Ouais, ça fait peur l'image, hein, ça fait peur. Salut madame machin. Va avoir de la place dans la douche de 0,5 mètres carrés. Alors, je suis nulle en estimation. Celle de Monsieur Chéri, on est plus sur du 0,80 ou du 1 mètre carré. Mais à deux, ça passe. Mais on consomme plus d'eau. Clairement. Parce qu'une douche, c'est rapide. Et bon, enfin, passons. Alors. Comment ils vont faire à l'Assemblée enlever la cravate? C'est pas très respectable, voyons. Ah ouais, c'est cravate ou col roulé, donc. On fait toujours pipi sous la douche. Pas si on la prend ensemble, hein, du coup. Sinon, c'est. Oui, ok, salut Vinette, je bois un coup. Et non, 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 madame Machin, c'est pas le Gorafi. C'est pas le Gorafi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment faire un jeu Gorafi, notre Gorafi. Et là, celui ou celle qui arrive à gagner le quiz, là, c'est vraiment cador. Chez moi, il n'y a pas la place, même pour moi, c'est limite. Oui, après, déjà, faut pouvoir rentrer à deux sous la douche. Mais de toute façon, nous, on le fera pas. Enfin, on le fera pas pour économiser, en tout cas. Donc, alors, la suite. Ah oui, ça, faut que je vous mette le son. Donc alors attention parce que le son là-dessus c'est toujours pète les oreilles. Force à toi, la madame qui a plongé, seule contre quatre. Masterclass. Petite torpille, là. Ouais. Donc, le résumé écrit. Elle se jette à l'eau contre les fachos.
Mercredi 28 septembre, un rassemblement pour le droit à l'avortement était organisé dans le centre-ville de Nantes, alors que les droits des femmes sont menacés partout dans le monde. Un groupuscule d'extrême droite est venu faire de la provocation sur un bateau arrivé sur l'Erdre avec une banderole « Avortement égale génocide ». Tiens, prends ça dans la gueule. Sur l'embarcation, les militants d'extrême droite pensaient pouvoir perturber le rassemblement et hurler des horreurs rétrogrades au mégaphone sans être inquiétés. Pas de chance, ni une ni deux, une manifestante s'est jetée à l'eau pour arracher leur banderole. Après avoir fait tanguer le bateau, la provocation d'extrême droite a pris l'eau. Bravo. Bravo à elle. Gros GG. Et cœur sur elle avec des fourches. Donc ça, forcément, vous l'avez vu passer. Bardella annonce qu'il poursuivra en diffamation, ce qui insinue que le RN, donc le FN, entretient des liens avec la Russie. Donc moi, j'ai tenté le combo avec Darmalcin, qui avait menacé de poursuite en diffamation, ceux qui disent que c'est un sale violeur récidiviste. Donc le FN entretient des liens avec la Russie et le ministre de l'Intérieur est un sale violeur récidiviste. Quand vous voulez. En plein débat sur les super profits, Total va verser à ses actionnaires un acompte sur dividende exceptionnel de 6,62 milliards d'euros. Et dans ce dessin d'Alan Barthes, Macron nous conseille, et surtout pour votre facture, pensez à mettre un pull. Indécence sur 20. Enfin bref, autre dessin d'Alan Barthes. La ministre Carole Grandjean fait supprimer un article qui la dérange. Allô, France Télévisions ? Vous souvenez-vous qu'avec la suppression de la redevance, vos financements dépendent désormais de notre bon vouloir ? Donc tous les gens qui se réjouissaient de la suppression de la redevance. Et oui, c'est vrai que dans un premier temps, tu dis « bah super, c'est de l'argent en moins que je vais sortir ». C'est le retour de l'ORTF à la botte de De Gaulle un peu, hein, quand même. Super. Et donc là, on revient à ce que j'avais montré hier. Et je vais caler ça pour tout à l'heure. Non, John, tout à l'heure, tout à l'heure. Parce que peut-être que tout à l'heure, on aura besoin de réconfort, je sais pas. Il faut voir. Un des 100 sur 20. Oui. Technique de rôliste. Super, j'ai bien envie de pouvoir me moquer du comité de censure. Salut Madouk. Non, il n'y a pas un ruban noir en l'honneur de Michel. Michel dans nos cœurs, évidemment. Ceci dit, Michel, j'ai cru comprendre que ces derniers temps, c'était très petite forme. Donc, est-ce que Michel n'avait pas droit au repos ? C'est triste quand quelqu'un s'en va, évidemment. Pour avoir vu de près ce que ça donne, la dégradation de la personne et de son esprit, c'est triste, mais ça peut être un soulagement. Et pour la personne et pour son entourage. Donc, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas encore mangé les riches. Alors que franchement, il méritait sa place à la table du festin. Mais il n'y sera pas. Alors, je vais repasser. Donc on va faire comme ça. Je repasse en écran non décalé. Hop. Alors, d'abord, on va parler d'une nouvelle scientifique très importante. On n'avait dit pas la science, mais là, quand même. On va parler du préfet de l'Hérault, qui est un gros trou du cul facho. Alors, on s'en doutait un peu, mais là, c'est officiel. Et si on a le temps, on verra comment l'entreprise broie les bonnes élèves.
Et c'est pour ça qu'on aura peut-être besoin du réconfort que John Baez va nous offrir. Parce que là, c'est la parole d'une DRH. Donc, on se mouillera un peu la nuque avant de plonger, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Comme vous le savez, j'aime bien découvrir les articles avec vous. Et là, bon, voilà. Alors, la nouvelle la plus importante du jour, voire de la décennie. La science a tranché la guerre entre chocolatine et pain au chocolat. C'est un article qui date de 2017, je sais. Mais 2017, il y a eu des élections. Il y a eu des mouvements de contestation. Hop, j'ai pas assez décalé. On va faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Après, il y a eu le Covid. Enfin, il y a eu les gilets jaunes. Après, il y a eu le Covid. D'autres élections. Donc, du coup, c'est passé à l'as. Un linguiste a publié un atlas du français de nos régions dans lequel il établit une vraie carte de France de l'usage des termes pain au chocolat et chocolatine pour désigner la viennoiserie. Oui, je sais, Donio, je sais. On avait dit pas la France, je sais. Donc, le mot chocolatine est apparu au milieu du 19e siècle grâce à un certain Auguste Tsang qui importe la baguette en France. De Vienne, l'Autrichien apporte également le croissant et une version au chocolat. C'est au terme d'un sondage basé sur les réponses de plusieurs milliers de Français que Mathieu Avanzi, linguiste et spécialiste des Français régionaux à l'Université catholique de Louvain, a publié l'Atlas du français de nos régions, dans lequel il établit une carte de France précise de l'utilisation des termes chocolatine et pain au chocolat, désignant la même viennoiserie. Donc il vaut même plus loin, parce qu'il y a des appellations très locales. C'est comme là, tu beaucoup trop local, mais version chocolatine, pain au chocolat. Et de cette carte précise ressort un constat qui va faire mal dans le sud-ouest, la victoire écrasante de pain au chocolat sur chocolatine. Ceci dit, cultivons nos différences tant qu'elles ne nous éloignent pas. Je n'ai rien contre les gens qui disent chocolatine. J'ai même d'excellents amis qui disent chocolatine. Et une fois, j'ai failli dire chocolatine. Cet été, en revenant de l'Aveyron, on s'est arrêté dans une boulangerie. C'était encore la zone chocolatine. Et j'allais commander une chocolatine et... Monsieur Chéri, qui lui est de là-bas pourtant, mais il a demandé des pains au chocolat. Alors que moi, j'allais faire l'effort par sympathie. Et bon. Chocolatine, ça me dérange pas, mais on est bien d'accord qu'un pochon, c'est pas un cornet. Oh là, oh là, oh là. Team Frio sur le nom, par contre, sur la qualité de la pâte feuilletée, je risque de m'énerver. Alors, un pochon. Un pochon, je crois que ça dépend des endroits. Il y a des endroits où le pochon, c'est le sac en plastique. Voilà, la première fois que j'ai entendu le mot pochon, c'est la première fois que j'ai vécu dans la Drôme. Je connaissais pas ce terme. Maintenant, grâce à Legendre, c'est reparti avec la carte de France des appellations Tancarville et Tandoire, machin. Oui. Oui, c'est important de parler la langue locale, ouais. Ouais, ouais. Un pochon, pour moi, c'est les petits sachets des dealers. Ok. Ok. Je rappelle que pochon, c'est également la seule et unique députée NUPES de la Drôme. Marie, de son petit nom. Donc, quand même. Parce que bon, hein, bon. Salut Gigilou. Je milite pour que la chocolatine comporte de la nougatine et du chocolat histoire de réconcilier la France. Moi, je milite pour que nos différences ne nous éloignent pas. Maintenant, ici sont bienvenus donc les gens qui disent pain au chocolat, chocolatine, petit pain au chocolat, cook au chocolat, croissant au chocolat et même petit pain au chocolat. C'est dire si on a l'esprit large.
Bon, maintenant, une petite pensée pour ceux qui vivent dans ce genre de département où il y a une partie chocolatine, une partie pain au chocolat. Ça doit être dur pour eux parce que à quel moment tu passes la frontière? C'est le stress permanent. Ah là, non, alors là, je suis Saint-Bouzigue, on dit chocolatine, ok. Mais demain, je fais mes courses à Vitry-Fou, et Vitry-Fou, on dit pain au chocolat. Il faudra que je me souvienne. Enfin, ça doit être une horreur au quotidien, quand même. Ça se trouve, ils osent même plus en acheter. Ils préfèrent acheter les croissants, pour être tranquille. Ici, le chausson aux pommes s'appelle un paumé. Eh, je connaissais pas. C'est dans quel coin? Moi, je connais le pommeau, mais c'est pas la même chose. Alors, est-ce que je vous ai trouvé des trucs sur Twitter? Je vais répondre à cette personne qui n'a pas la ref mythologique. Voilà. Super, maintenant j'en veux. Côte morbihannaise, d'accord. Ah, Madouk rentre dans le comité de Gigilou. Donc oui, j'ai un petit truc à vous faire écouter. Hop. Alors. Donc, vous verrez sur les images que c'est pas quelque chose de nouveau, puisque sa barbe n'est pas encore presque totalement blanche. C'était encore la période bicolore. Donc, c'était probablement quand il était encore Premier ministre. Mais ça dénote d'un certain état d'esprit, voire d'un état d'esprit certain, qui résume assez bien leur façon d'envisager les choses et surtout le dialogue. Mon copain appelle les financiers des friands, la gueule du boulanger qui lui répond qu'on n'est pas la charcuterie ici. Ouais. Oui, c'est pratique pour dater, oui. La barbe d'Edouard Philippe, c'est très pratique pour dater, merci à lui. Merci à lui. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être usé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais. Salut Rebapt, bienvenue à toi, merci pour le follow. C'est un compte parodique. Le mien? Ou je sais pas. Non, le mien c'est un vrai compte, je m'appelle vraiment Barbara et je suis vraiment une gauchiste. Le gauchiste parce que c'est comme les gens qui disent capitaliste, les communistes. Mais sinon, Ulysse qui forniquait, mentait, trichait tout le temps, hein. Je crois que c'est le même. Laquelle des gouttes est la dernière? Ça on sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, vous aimeriez bien, hein? Vous aimeriez bien le savoir, quand même. Nous aussi, ceci dit, on aimerait bien savoir laquelle des gouttes sera la dernière. Parce que pour le coup, on saurait, tiens, là, c'est maintenant. Là, on concentre toutes nos forces, maintenant. Maintenant. La nougatine, c'est hyper dangereux. Tu risques à la fois de te brûler, à la fois d'en manger trop. On sait, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. Et ça passe. C'est vrai que les ordonnances travail, il n'y a pas eu grand-chose, finalement. C'était la suite de la loi travail. Et autant la loi travail, là,
Là, on y est allé genre bien, pas assez puisque c'est passé, mais bien. Et les ordonnances travail qui était juste le chapitre 2, bah ça n'a pas trop bougé, j'ai trouvé. Cet homme aurait dû être aux plus hautes fonctions en 2018, vu comme il prévoyait tout, ça aurait évité des problèmes. Oui, Donio, hein, c'est dommage. C'est dommage que ce monsieur n'ait pas été Premier ministre. Alors, ça parle encore de bouffe. Je vous laisse aller sur la bouffe. Parce que, bon, la quasi-totalité, voire la totalité des viewers et vieweuses sont français et françaises. Donc, si on leur dit. Voilà. Je ne peux pas vous empêcher de parler de bouffe. De toute façon, le chat est quasiment autogéré. Mais si je rentre dans la discussion sur la bouffe, on va faire tous les 3 heures de stream comme ça. Bon, je vous laisse faire. On fait la réforme de la SNCF, on met fin au statut, et on ouvre la concurrence, on s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. Et ça passe, la SNCF, alors même qu'on a l'exemple de l'Angleterre. Bon, c'est juste à côté, il y a juste un petit bras de mer à traverser. On a l'exemple de l'Angleterre qui a privatisé les chemins de fer il y a longtemps. Donc c'est un exemple sur le long terme sur lequel on a du recul. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les chemins de fer en Angleterre? Eh bien c'est tout pourri, c'est pas entretenu, donc c'est accidentogène, donc c'est dangereux. Au niveau des prix, c'est un grand n'importe quoi. Et donc c'est exactement ce qui se passe quand on privatise un service public. C'est cher, c'est dangereux. Et c'est plus au service des gens parce que les lignes qui sont pas rentables, rien à foutre. Donc, on a cet exemple-là avec du recul et malgré ça, eh ben, y a énormément de gens qui ne se sont pas sentis concernés par la réforme de la SNCF. Et, fun fact, ce sont souvent les mêmes qui gueulent parce qu'ils n'ont plus assez de train ou parce que le train est trop cher ou parce que les gens se mettent en grève. Anecdote, j'ai une copine récemment dont le mari s'est absenté pour le boulot, il me semble. Et elle a posté qu'elle se retrouvait maman solo un jour de plus que prévu et elle a dit merci la SNCF. Donc moi j'ai précisé merci le gouvernement qui. Enfin bon, j'ai sorti mon laïus habituel. Merci le gouvernement qui détruit un service public, lequel n'a plus d'autre choix que de se mettre en grève pour se défendre. Il m'a dit, ah oui, mais moi la politique. Bah ouais, mais tu te plains. Oui, non, parce que, pardon, après elle a dit, non, mais c'est merci les grévistes. J'ai dit, bah les grèves, ça vient de ce que fait le gouvernement. Salut l'Auvergnat relou, bienvenue. Elle m'a dit, ouais, mais moi, la politique, alors que quand elle se plaint parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de transport, c'est de la politique, puisque tout est politique. Mais bon, des fois, ce sont des messages qui ne sont pas faciles à faire passer parce que les gens ne se rendent pas compte. Oh ben vous savez, moi sans mes lunettes, ouais, c'est un peu ça. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Allez, continuons. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 dernières, 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. On les désoccupe. Alors là, vous avez besoin d'une petite traduction, j'imagine. On les désoccupe, ça veut dire qu'on envoie des flics suréquipés tabasser les étudiants qui manifestent pour avoir le droit de continuer à étudier. On les gaze, on les fait sortir de force, on les brutalise. Et pour au moins une université, Montpellier, je crois, non, je ne sais plus, dites-moi dans le chat, il y a une équipe de fachos qui a été envoyée. Par le
Non, pas le recteur, le... Merde, comment on dit? Le doyen. Pour aller taper sur les étudiants à l'intérieur d'un amphi, alors qu'ils étaient en train de se réunir en assemblée générale. Il me semble que c'était Montpellier. Les facs construites après 70 sont toutes anti-émeutes de toute façon en pente douce depuis l'extérieur. Ouais. Ouais, c'est Montpellier, hein. Donc c'est ça, désoccupé. Et le gouvernement a laissé joyeusement faire, bien évidemment. Salut, Jelly. On désoccupe les universités, quelle charmante expression pour le tabassage des étudiants. Ouais. Ouais, on désoccupe. On désoccupe. Est-ce que dans le mandat précédent, celui de ce monsieur, Rémi Fraisse a été désoccupé de l'endroit où il manifestait? Je sais pas, c'est juste pour comprendre les termes techniques. Ouais, Donio. 13-12, nonobstant. Voilà, il vous suffit de regarder l'heure juste en dessous de moi, là, et 13-12. Oui. Oui, 2014, sous Hollande. Pour ça, je disais sous le mandat précédent. Moi, j'aime bien connaître les termes techniques. Donc, est-ce qu'il a été désoccupé, Rémi Fraisse? Alors, pour parler de ce monsieur-là, est-ce que Steve, à Nantes, il a été désoccupé? Je sais pas, hein, je sais pas. Ouais, sous Cazeneuve, Rémi Fraisse. Moi, j'aime bien comprendre ce qu'un terme peut contenir. Est-ce que Zineb, à Marseille, dans son appartement, elle a été désoccupée? Est-ce que son appartement a été désoccupé? Je sais pas. Ça va jusqu'où, le terme désoccupé? Oui, c'était Montpellier. Je crois que le doyen a dû rendre des comptes pour avoir facilité l'entrée des TAF. Alors, de mémoire, rendre des comptes, ça a pas pissé bien loin quand même. Ça, sur le coup, ça fait ouais, gros yeux, machin, tout ça. Et il me semble que ça a un peu passé à l'as après. Ou alors c'est parce que j'ai des biais que je crois me souvenir de ça, mais bon, il s'est peut-être fait un petit peu taper sur les doigts. Oh, mais tiens, garçon. Donc ouais, j'aimerais vraiment savoir jusqu'où va ce terme de désoccupé. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, un, on a un programme qui dit ça, et deux, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Alors, si on a un programme qui dit ça, Coco, vous avez fait plein de trucs que vous n'aviez pas annoncé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je crois aussi que ça n'a pas pissé bien loin. Ouais, il me semble. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Les gilets jaunes. Donc voilà la technique. En fait... Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils ont prévu de faire des trucs, ils savaient que ça puait du cul. Mais quand même, sur un malentendu, ça peut passer. On le tente. Et oui, ça passe. Ça passe. Alors, il oublie un petit peu d'expliquer que, du coup, quand on va manifester pour défendre ses droits... pour défendre le service public qui fait partie des droits que nous avons, parce que, rappelons-le, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est normal d'aller manifester. C'est un droit constitutionnel d'aller manifester. Et même quand tu fais rien de mal, tu te dis, tiens, je vais défendre mes droits, et ben, tu reviens et t'as pas... le même nombre de mains, Dieu, ou de pieds, que tu avais, ou de dents, que tu avais en partant de chez toi le matin. Le mec ose dire que, en fait, ils sont surpris quand ça passe. Alors, tu démontes la gueule des gens, tu les mutiles, tu les tues parfois, et puis tu dis, oh, bah dis donc, finalement, ils nous laissent faire.
Oh, je suis surpris. Tout cela tend à prouver que, oui, alors, les manifs, c'est important. Bien évidemment que c'est important, parce que c'est l'occasion d'expliquer pourquoi on fait des manifs, c'est l'occasion d'avoir un discours politique, même si on est d'accord que ce que montrent les médias des manifs, allez, il y a peut-être 10% du discours politique qui passe, et le reste, ça consiste pour eux à faire du bruit autour et à les minimiser, l'ampleur des manifs. Mais c'est une occasion de d'émettre un discours politique, et y compris sur le terrain. C'est un moment de montrer que bah, qu'on n'est pas quand même complètement endormi, qu'on est là. Et que peut-être ça va chier. Que peut-être ça va chier. Mais le meilleur moyen de les faire céder, ça reste la grève générale. Aucun pays ne peut résister. Aucun gouvernement ne peut résister face à une grève générale. Aucun. Oui, ça implique des sacrifices. C'est vrai. Mais à une époque où manifester, ça peut signifier revenir mutilé, ou ne pas revenir du tout, parce que ça, c'est la prochaine étape, hein, je pense. Est-ce que c'est un si gros sacrifice que ça, la grève générale? On est d'accord que une grève générale, vraiment bien suivie, combien de temps il peut tenir le pays avec une grève générale sur les bras? Vraiment pas longtemps. Donc, let's go, j'ai envie de dire. Le forceps en enfumant autour, ça passe un temps. Ouais. Dave Dufir en manif en live, j'ai loupé. Ah ouais, c'est dommage. C'est souvent intéressant. On prend pas le chemin de la grève générale, malheureusement. Bah non. Non, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. Parce que tout est fait pour que nous soyons de plus en plus des individus et non pas des groupes. Tout est fait pour nous séparer les uns les autres, nous éloigner, nous écarter, mettre en avant des différences, désigner des adversaires au sein de nos propres troupes, par exemple entre les smicards et les gens qui sont au RSA. Salut Fabien Roussem. Et de ce fait, bah, tant qu'on en est à se crêper le chignon entre nous, on ne leur règle pas leur compte à eux. On a vu ça au premier conflit, un mois tout au plus, donc on a la preuve que ça marche. Oui, on a la preuve que ça marche, mais pour ça, il faut retrouver à tout prix un esprit de groupe de nous contre eux. Salut Michael. Diviser pour mieux régner. Oui. Il faut qu'on remette dans l'esprit des gens qu'il y a toujours la guerre des classes, qu'elle ne s'est jamais arrêtée, qu'elle est toujours en cours, même si maintenant elle est larvée, parce qu'ils passent par d'autres canaux. Pour désigner leurs adversaires. Au lieu d'avoir un adversaire, ils désignent tout plein d'adversaires. Et nous, il faut qu'on fasse l'effet inverse. Nous, on a toujours un adversaire qui a de multiples ramifications, certes, mais on a toujours un adversaire. Notre adversaire, c'est le capitalisme. Parce que grâce au capitalisme, qu'est-ce qui survit? Bah, des choses comme le patriarcat, des choses comme la ruine de l'environnement, des choses comme tous les mauvais traitements qui sont réservés aux femmes et aux enfants, qui sont réservés aux minorités, qui sont réservés à tous ceux qui sont un peu différents et qu'on peut désigner comme cible au peuple. Et il faut qu'on arrive à fédérer autour de l'idée que nous, on a un ennemi. Eux aussi, ils ont un ennemi. Ils font semblant d'en avoir. Il faut semblant de nous en donner plein, mais ils savent très bien qu'ils ont un ennemi aussi. Donc, d'habitude,
le fait d'être manichéen, c'est pas une bonne idée. C'est vrai. Mais là, là, pour le coup, on peut être manichéen. C'est peut-être l'un des seuls domaines de la vie où on peut être manichéen. Notre ennemi, c'est le capitalisme. Parce que de lui découlent toutes choses qui nous sont hostiles, qui nuisent à nous, qui nuisent au vivant, qui nuisent à l'environnement, etc., etc., etc. On a un ennemi. On n'en a pas 50. Et c'est plus facile de se fédérer quand on a tous un ennemi commun. Faire nôtre la devise de Ruffin, ils ont des millions, nous sommes des millions. Ouais, ça peut être un mot d'ordre, ça peut être un mot d'ordre. Mais il faut à tout prix faire passer cette idée-là. Détourner les colères que eux ont provoquées envers certaines parties du peuple. Détourner les colères qu'ils ont provoquées envers les minorités. Et j'inclus les femmes dans les minorités, parce que, certes, à une vache près, les femmes, c'est la moitié de la population, mais traitées comme des minorités opprimées. Donc, faisons passer ce message. Ensuite, la petite minute facho. Parce qu'on parlait de Montpellier tout à l'heure, bah restons dans le même département. SDF étrangers, ils ne sont pas les bienvenus. Le tweet choc du préfet de l'Hérault, à peine publié, aussitôt effacé. Article de Fabrice Dubois en date d'hier. Un tweet posté ce jeudi après-midi sur le compte officiel du préfet de l'Hérault a attiré l'attention des internautes. Les propos, je regarde au niveau du cadrage. Le cadrage est un peu différent sur cette page. On va adapter un petit peu. Les propos du représentant de l'État stigmatisant les SDF algériens et marocains sont clairs et sans filtre. Peut-être trop, justement, car 2 heures plus tard, ce tweet avait disparu. Gloire aux gens qui ont pensé à faire la capture qui va bien. Merci à eux. La sécurité et la lutte contre la délinquance ont toujours été les priorités du préfet de l'Hérault depuis son arrivée à Montpellier en juillet 2021. Il s'est notamment attaché à faire disparaître les bidonvilles dans la métropole et il est aussi à l'origine du village de transition installé dans le quartier de la Rose pour accueillir les Roms. Merci la Wayback Machine. Un changement de politique spectaculaire à l'opposé de la politique d'accompagnement qui prévalait depuis plusieurs années et qui lui a valu le surnom de préfet bulldozer. On peut même passer au surnom de préfet gros sac à merde. Aujourd'hui, ce tweet rapidement effacé voulait probablement montrer qu'une moutou prenait le... Ne pas confondre moutou et poutou, c'est important. N'essayez pas de prononcer le nom de ce monsieur si vous êtes enrhumé. Parce que sinon, vous allez l'appeler Poutou et c'est pas cool pour Philippe. Donc vous voulez probablement montrer qu'Hugues Moutou prenait le problème des violences avec armes à Montpellier très au sérieux, chiffre à l'appui, puisqu'il parle de 104 gardes à vue en 2 mois. Bref, qu'avec la police, il s'occupait de gérer le fléau de la délinquance. Mais la conclusion de son tweet, ils ne sont pas les bienvenus. Note de la rédaction, les SDF étrangers, a choqué des associations car on pourrait croire à un avis plus personnel que préfectoral et je pense que c'est le cas. Je peux me tromper. Je pense que ce monsieur est un sale raciste en fait. Sous réserve d'interprétation bien évidemment. De plus, ce tweet pointe des ressortissants de 2 pays bien spécifiques du Maghreb. Il a d'ailleurs dû être jugé inopportun a posteriori, puisqu'il a rapidement disparu du compte du préfet. Donc vous l'avez sous les yeux. Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers, hashtag Montpellier, 104 gardes à vue depuis août, algériens et marocains en priorité, responsables des nombreuses vols, violences avec armes, nous serons intraitables, les CRS ont instruction de ne pas les lâcher, ils ne sont pas les bienvenus. Salut Stéphane Keldan. Bienvenue, on est en train de se saler sur le préfet facho de l'Hérault. Donc, réaction aux écrits du préfet.
Les écrits du préfet de l'Hérault ont surpris, voire indigné, les associations et collectifs qui viennent en aide aux migrants. Pour l'avocate de la LDH 34, la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, ces propos sont à la limite de l'indignité. Non, madame. C'est pas la limite, hein. Les limites, alors, tu vois, les limites, elles sont là. Le mec, il a pris son élan. Il a couru de toute la force de ses petites jambes. Et les limites, il les a défoncées. Et il a fini 100 bandes plus loin, à peu près. Si c'est pas plus, je sais pas, je vois plus d'ici. C'est pas la limite de l'indignité. Il baigne dans un océan d'indignité, en fait, le gars. C'est le Pacifique de l'indignité. C'est wouh. Les mobiliers anti-SDF sont les bienvenus, du coup. Bah, je suppose. Attends, alors je sais pas l'Auvergnate. Je sais pas parce qu'ils ciblent spécifiquement ceux de l'Algérie et du Maroc. Alors, les mobiliers anti-SDF sont les bienvenus. C'est compliqué parce qu'ils sont pas spécifiquement anti-SDF marocains ou algériens. Oui, en fait, c'est la bourgeoisie, donc forcément, le mobilier anti-SDF est le bienvenu pour ce monsieur. Mais il va ajouter du jambon dessus, sans doute. Parce qu'ils aiment bien mettre du jambon, ces personnes-là. Ou du saucisson, ou des trucs comme ça. Parce que c'est des gros sacs à me racistes. Et fascistes. Oh, c'est pareil. Est-ce que ça compte comme statistique ethnique? Parce que c'est bien interdit, il me semble. Oui, Madouk, il me semble aussi que c'est interdit. Et je pense que ça compte. Même si c'est fait un peu à la queue de vache, ça fait un peu une statistique. Les limites largement dépassées là comme ailleurs. Ouais. Le Kevin Mayer des limites. Oui, voilà, c'est ça. Salut Objectif 11-4. J'allais les faire, ils vont faire des bancs en jambon. Ah, mais ils en sont capables. Le jambon, il va bien tenir sur les petits picots, c'est intelligent. Oui. Faut arrêter, on va leur donner des idées, là. Stop. Les idées de merde, ils les trouvent tout seuls. Hein. Faut pas qu'on leur en donne. Hein. Fait à la queue de vache, je pique l'expression. Oui, ça change un peu de à la louche. C'est un terme qu'on utilise pas mal dans le bâtiment. Et c'est genre la peinture. T'inquiète, ça va attirer les mouettes et les pigeons. Alors, continuons. Donc, à la limite de l'indignité, non, beaucoup plus que ça. Comme s'il y avait une délinquance spécifique aux personnes étrangères et sans domicile fixe. J'ai la ref, réunion de chantier, Muriel Robin. Ah oui, c'est vrai qu'elle le dit. Oui, à la queue de vache, oui, c'est vrai. C'est vrai, Pitbull Mister. Elle en parle dans son... Bah, ceci dit, elle est très branchée travaux. Muriel Robin, je crois savoir. Elle en parle dans un de ses sketchs, elle en a parlé dans une émission, parce que quelqu'un la charriait sur son sketch sur les travaux avec son père, machin, tout ça. Elle a fait non, mais oui, c'est vrai, je bricole. En mettant du vieux pain sur son balcon, ouais, faut voir. il faut voir. Donc... Beaucoup de refs aujourd'hui dans le chat. Enfin, tous les jours d'ailleurs. C'est un chat du gauchistan, donc il y a beaucoup de refs, c'est normal. Alors, on n'a pas une parole d'extrême droite puisque l'exécutif et l'administratif sont astreints à une neutralité. Je trouve que Sophie Mazza, c'est très gentil, hein. Ou Maza, je ne sais pas comment on prononce. Mais nous avons là une parole qui tire extrêmement vers la droite de la part d'un haut fonctionnaire. Non mais dis les termes, Sophie. Dis les termes. Ou peut-être que tu as peur qu'il t'attaque. Parce que tu es avocate. Et tu veux pas d'emmerde avec le préfet. C'est peut-être ça. Auquel cas, si tu es l'avocate de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, je peux comprendre. Mais quand même, dire les termes, ça fait du bien à un moment. Hein. Ce sont des paroles de fachos. De fachos. Il y a un moment,
Il y a des plumes, un bec plat, ça fait coin-coin, bah c'est un canard. Hein. C'est, mais même si c'est un préfet qui est canard, bah c'est un préfet canard du coup. Mais c'est pas un préfet qui ressemble un peu à un canard quand même. En fait, il n'a pas le droit de ressembler à un canard. C'est un canard. C'est un canard. Un connard. Pardon pour les canards. Enfin bref. Ça vient toujours de quelque part, ouais, c'est clair. Mobilier anti-SDF, bienvenue dans quasiment toutes les grandes villes. Toulouse n'est pas en reste là-dessus. Merci, merci Moudinque. Oui, toutes les villes. Hein. J'aurais dit complaisante. Oui, oui, Kane, oui, oui, oui. Bonjour à toi. Oui, complaisante, ouais. Mon t-shirt n'est pas blanc, il est juste pas coloré. Ah, d'accord, madame machin. Ok, c'est pas raciste. Parce que le racisme est interdit et que la police est républicaine. Ok, c'est comme le fact-checking de la cellule BFM, qui avait dit qu'il n'y a pas de gens sans électricité en hiver parce que c'est interdit. Canard ou connard? Ouais, c'est un gros canard. Ouais, ouais. Madame Machin, arrête de citer les ministres de l'Intérieur de ces 25 dernières années minimum. Les canards sont très... Non, non, désolé. Désolé les canards, parce que... ce que je dis d'habitude, c'est en général, quand ça a quatre pattes et une trompe, c'est un éléphant. Ça peut être un tamanoir, mais en général, c'est un éléphant. Ornithorynque polyglotte. C'est un gros ongulé. Oui, c'est un très très gros ongulé. Ouais. Alors, entre canard, ongulé, ornithorynque, en tout cas, c'est un drôle d'animal. Je dirais que ce préfet est un mix de cochon et de canard. Je vous laisse faire le mot valise. Enfin, c'est un gros sac à main. Là, on peut aller jusqu'à sac à marre même, parce que là, y a la dose. Hein. Les canards, c'est super cool. Sans eux, les lacs seraient moins intéressants. Oui, et ne donnez pas de pain sec aux canards, s'il vous plaît. Parce que eux, ça leur fait pas du bien. Ça pourrit l'eau de l'étang et ça fait pas de bien aux poissons qui vont bouffer ça par derrière non plus. Pas de pain sec pour les canards. On a dit pas le physique, mais quand on voit le crâne rasé du préfet en question... Il y a de la médisance sur les pas de palmée aujourd'hui, ah bah d'accord. Oui, pas de riz pour les pigeons non plus. Et ouais, de toute façon... il respire pas la gentillesse, on va dire. Enfin, bref, reprenons. Elle ajoute... Vous me dénoncez pas à Bubuche, hein, s'il vous plaît. Parce que l'autre jour, Bubuche, elle a dit que j'étais la plus gentille du chat. Alors, je sais pas pourquoi elle a dit ça, par contre. Mais me dénoncez pas, s'il vous plaît. Les pigeons ne méritent rien. Not all chauve. Moi, j'ai des copains chauves de gauche. Et vraiment de gauche, hein, pas François Hollande. Hein. De gauche, vraiment. Non, non, not all chauve. Donc, elle ajoute, ce qui est choquant, c'est qu'il arrive à déshumaniser en si peu de mots des réfugiés et des personnes sans domicile fixe. C'est vraiment choisir le bouc émissaire, celui qui est à la rue et qui a une gueule de métèque. On jette en pâture, on déshumanise, comme si ces gens étaient le fléau principal. Eh ben c'est mieux ça, Sophie. Tu muscles un peu le discours, c'est mieux. Est-ce que le préfet Moutou se met au diapason d'une partie de l'Europe? Hongrie? Italie? Oui, continue. Là, t'es à ça de dire les termes, Sophie. Vas-y. Taclez pas trop, il me reste plus grand chose sur le crâne. Oui, Stéphane, oui. Si vous voulez donner à manger aux oiseaux, allez consulter le site de la LPO. Ils vous donneront les renseignements qui sont pas dangereux pour les enfants. Et surtout pour les oiseaux. Et pour les enfants des oiseaux. Ok. Notre chauve, bien entendu, j'ai aussi des potes de gauche chauve. Alors, une obligation de réserve et de loyalisme au gouvernement. Oh bah,
Moi, je vois pas trop de différence entre ce qu'il dit, puisque dit le et ce que fait le gouvernement. Hein. Moi, il est dans les cordes. Hein. Bon, il est juste un petit peu plus vénère, mais de pas beaucoup. Un préfet peut-il dire cela? C'est en substance la question que se posent ce soir les personnes qui ont réagi au tweet. Pour Thibaut Mullier, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre, interrogé par France Info en 2019, s'il bénéficie d'une liberté d'opinion, le préfet en général est bien astreint à un devoir de réserve car il est un représentant de l'État. Et ce devoir de réserve l'engage à ne pas manifester son opinion ou avoir un comportement de nature à porter atteinte à l'image et à la considération du service public. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Notamment en matière de sécurité publique et du maintien de l'ordre. Mais le préfet n'est pas un agent public comme les autres. Il exerce une fonction politique éminemment sensible. Ben, ça pourrait être une bonne occasion d'arrêter de dire de la merde, par exemple. Il est très dépendant de l'exécutif et met clairement en place la politique qu'il décide, analysait Thibaut Mullier. Sa situation est d'ailleurs précaire puisque sa fonction est à la discrétion du gouvernement et du président de la République en raison de sa nomination en Conseil des ministres. Alors, on va se faire un petit sondage. Sur le « qu'est-ce qu'ils vont dire ?» entre virer, juste garder et récompenser. Pas facile comme sondage, hein. Et sans bourrage d'urne. Toi-même, tu seras chauve un jour. Oui, nous finirons tous et toutes chauves. N'oublions pas. Didier Lallement a l'exemple parfait du devoir de réserve. Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, moi, j'hésite entre juste garder et récompenser, à vrai dire. Non, juste garder parce que le tweet, il l'a retiré. T'as pas compris la question ? Qu'est-ce qu'ils vont dire au gouvernement, à ce préfet facho ? Il sera pas récompensé, il a frappé personne. Ouais, il y a ça aussi, et il y a le fait qu'il assume pas. Lallement, il a toujours assumé. Toujours. Parce que je vous rappelle que le mec est né avant la honte. Hein. Il est né avant le grand-père de la honte. Je mise un jeton sur tweet de Marlène Schiappa. Salut Ambrena, bienvenue. Et le sondage qui est en cours, c'est je te le fais viteuf. Il y a le préfet de l'Hérault qui a tweeté une grosse dégueulasserie raciste. Et le sondage, c'est pour savoir ce que va faire le gouvernement. Est-ce qu'il va le virer? Est-ce qu'il va le garder, juste le garder comme ça? Ou est-ce qu'il va carrément le récompenser? Je vais voter comme aurait référendum élevé, les yeux fermés. tu penses muter un poste équivalent, Pigbull? Ouais, moi je pense qu'ils vont juste le garder parce que ouais, le mec il fait une grosse dégueulasserie, mais c'est pas assumé. Parce qu'il a. Oui, pardon, j'ai oublié de te dire, il a retiré son tweet 2 heures après. Donc il porte pas assez son racisme, en fait. Donc. Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble, est plus nuancé dans sa lecture de la parole du préfet. Quand un préfet s'exprime publiquement, il est la voix de l'État, mais aussi celle du gouvernement. Le préfet peut donc s'exprimer librement, dès lors qu'il est sur la ligne politique du gouvernement. Donc là, c'est dégueulasse, c'est raciste, ça passe. Ça passe.
Il y aura une discussion d'homme à homme avec Manu. Ouais, il y a des chances. Non, attends, discussion d'homme à homme, c'est juste pour les violeurs, non? Non, c'est aussi pour les racistes? Je sais pas. Non, c'est compliqué, la pensée subtile de la Macronie. Super compliqué. Ça va pas, mais c'est cohérent. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour eux, ça va. Ouais, juste garder, hein, ouais. La majorité a dit juste garder. On est d'accord. Alors, attention, parce que là, on va lire un truc de DRH. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas faire ça sans se mouiller la nuque. Salut Raving Bell. Les sondages deviennent plus difficiles que les épreuves du code de la route. Ouais, il était rude. Celui-là, il était rude. Franchement, il était rude. Alors, du coup, il va falloir que... Non, je me redécalerai après. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit guinea pigs pour se mettre dans une bonne ambiance. Ensuite, on va aller s'écouter la chanson de John Baez. Sans se couper de l'eunuque. Poudoumti. Et entre-temps, si vous avez des liens mimes, des choses comme ça, n'hésitez pas. Moi, ça va me permettre de faire ma pause droge légale. Et puis, ça fera toujours plaisir. Ça va encore, j'étais chez Mateuse, on a écouté le discours de Poutine. Je doume un peu, là. Ah oui, là, c'est... Ouais. C'est encore un level up dans la violence. Hop. Je préserve l'intimité de Monsieur Chéri en ne montrant pas les liens, les favoris de son navigateur. Le préfet a été raciste. 1. Je mets mon clignotant. 2. J'accélère. Non, n'accélère pas. N'accélère pas. Refus d'obtempérer. Ah non, fais pas ça. Hein. Ne fais surtout pas ça, malheureuse. Guinea pig Olympics. Who is gonna be the one to win? Guinea pig Olympics. Guinea pigs running like the wind. Guinea pig Olympics. Marvel at the blur of their tiny feet. Guinea pig Olympics. The world's greatest guinea pig athletes. Jumping the stick, leaping the hoop. Là, j'ai un peu peur. Il y a un truc qui s'appelle la chanson du cochon d'Inde. On la tente ou pas? Allez, on tente. J'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur. Et c'est fait avec des bruits de cochon d'Inde. Comment dire ? Je pense qu'en fait, moi je fume que du tabac. J'ai même jamais pris une taf de chon. Mais je pense qu'il faut être sous effet pour apprécier cette vidéo. Parce que... Pourquoi ?
Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est plus de la flumette, c'est plus de LSD en vrai. Je suis en train de fumer un wench, ça suffit pas. D'accord. Ouais, bah ouais, peut-être. Peut-être LSD, peut-être. Peut-être. C'est moi, à part le tabac, j'ai jamais donné dans la drogue, donc. J'ai pas les bails. Hop, je vais décaler encore un petit peu. Voilà, comme ça, ça va. Et donc, nous avons ici une chanson de John Baez. Donc, le premier enregistrement qu'elle avait fait de cette chanson, c'était en 2009. Et là, elle a refait avec des paroles en farsi. Enfin, au milieu des paroles anglaises, elle a mis des paroles en farsi. Joan, cette voix. Ouais. T'écoutes ça en caressant, en plaidant pilou. Donc, vas-y, Joan. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Vous me dites si c'est trop fort. Hein. I'm singing this song for the people of Iran. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. So farsi. I do believe.
Je vous avais dit que ça faisait du bien. Merci, Joan. Et pour continuer dans l'agréable, je me recadre. Réjouissons-nous devant les images de cet éléphanto d'Asie qui découvre la mer pour la première fois. Un éléphant qui fait l'autruche à la plage. Ouais. Ouais, ouais. Si c'est pas juste du bonheur en image, ça, je sais pas ce que c'est. Alors franchement... Barbara bien cadrée, satisfaction assurée. Alors je remonte par contre. Donc Nagual, avis au type des RI, je le dis à voix haute, hein, ben, avis au type des RI. L'ensemble du staff de Barbara Lagauchis Compagnie se désolidarise des drogés du chat. Moi-même, j'ai dit que je ne me drogeais pas, hein, donc voilà. Entre le farci, mon cœur vacille. Préféré d'elle, c'est Joe Hill. Alors moi, j'ai du mal... Les chanteurs et chanteuses que j'aime bien, ou les groupes, j'ai du mal à dire « Tiens, celle-là, c'est ma préf. » J'ai du mal à classer, en fait. Et alors, ceux et celles que j'aime le plus... Ah ouais, c'est celle. Ah bah ouais, mais... Ah ouais, mais il y a aussi... Le... Et donc... J'arrive pas. Rien à voir, enfin, presque... Mais dans la BO de la série Légion, il y a une reprise de Behind Blue Eyes des Who, avec un gros passage en farci aussi, ça passe très bien. Ok. Ah, si je vois ça à l'occasion, j'y penserai. S'il y a des adeptes de métal ici, Prince of Persia, groupe iranien exilé suite à de multiples arrestations et tortures. Je connais pas. La drogue chez les éléphants. Bah la drogue, c'est le bain de mer. Pas compliqué, hein. Pas compliqué du tout de satisfaire un éléphant d'Asie, vous l'amenez à la plage et hop là. Here's to you, plus belle chanson du monde, voilà, simple de choisir. Non, bah non, vraiment. C'est des choses que je suis tout simplement incapable de faire. Et oui, j'ai déjà mis le lien de l'article. Et donc là, on vient de voir l'un des rarissimes avantages de Facebook. C'est que John Baez, Annie Lennox, des gens comme ça postent sur Facebook. Et ça fait du bien. C'est agréable. Donc, la madame qui est là, qui s'appelle Bénédicte Tillois, donc DRH, ex-directrice générale de SNCF Transilien, conférence, professeur à Sciences Po, autrice, cofondatrice de 10h32. Ouais, Annie Lennox, elle poste de temps en temps des trucs qui font beaucoup de bien sur Facebook, parce que ça permet aussi de voir que on peut vieillir et rester de gauche, contrairement à l'adage. Et ça fait plaisir, quand même. Je contre avec Anne Sylvestre. Ouais, Anne Sylvestre, il y a des sacrées pépites aussi hein, dans ce qu'elle a chanté. Donc, ouais. Va choisir après. Donc, j'ai choisi de ne pas choisir. J'ai choisi de beaucoup aimer. Sérieux, merde, je vais m'abouer direct, j'avais peur. J'ai bien dit, c'est l'un des rarissimes avantages. Hein. Attention. Hein. Parce que le reste, il y a beaucoup du caca quand même. Hein. Suzanne Sarandon aussi. Ouais, et puis bien évidemment, Jane Fonda. Jane Fonda qui était ravie de montrer ses menottes il n'y a pas si longtemps là. C'était Black Lives Matter, non? Quand elle s'est fait arrêter sur les marches de je sais plus quel bâtiment officiel.
Here's to you que j'écoutais en boucle sur mon premier appareil à cassette. Oui, c'est ça, Ambrena, c'est ça. Si les gens plus vieux sont plus souvent de droite, c'est pas parce que les vieux se droitissent, c'est parce que les vieux de gauche meurent plus tôt, malheureusement. Oui, parce que les vieux de gauche sont souvent des prolos, et les prolos meurent plus tôt. Et leur âge, leur espérance de vie en bonne santé, c'est catastrophique par rapport aux bourgeois. Donc les bourgeois vivent mieux et plus longtemps après la retraite. Il y a beaucoup de prolos qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. L'âge de la retraite actuel. Vous savez, celles qui veulent repousser, là. Ce serait une façon de ne pas donner la retraite aux prolos, que ce ne serait pas plus étonnant que ça, quoi. Fun fact, pas fun, quand j'ai appris son dessin de ses vinyles tournaient, ironique hasard. Alors, j'ai un truc marrant là-dessus. Quand j'ai appris la mort de Claude François, j'étais en train de prendre un bain. J'étais petite, hein, j'avais 6 ans. Et à côté de la baignoire, il y avait le poste de radio, parce qu'on mettait la radio quand on prenait un bain. Et donc, je prenais mon bain, pépouze, et là, ils annoncent la mort de Claude François, électrocuté dans sa baignoire. Ce fut l'un de mes plus gros flips enfantins. Je ne suis jamais sortie de mon bain aussi vite que ce jour-là. Direct. Et c'est pas tant la mort de Claude François qui m'a choquée, finalement. C'est surtout le fait que j'ai eu très peur. Il était mort dans sa baignoire. Bon. Mince, on me dit Suzanne Sarandon. Je pense de suite au film The Hunger avec David Bowie et Catherine Deneuve. Oui, big up au Balkany. Hein. Oui, big up au Balkany, bien sûr. La sortie de baignoire en mode éjection de flux. Ah ouais, mais là, je sais même pas si je suis pas sortie de la salle de bain, je me rappelle pas exactement, mais je me rappelle de ce gros moment de flip. Nous vous annonçons la mort de Claude François, électrocuté dans sa baignoire. Bon. Voilà, anecdote drôle. J'ai mis plusieurs jours et plein de discours parentaux pour m'expliquer que non, tout le monde mourrait pas dans sa baignoire, que c'était pas la baignoire qui était dangereuse. Enfin bon, passons. Donc, comment l'entreprise broie les bonnes élèves? Maman, pourquoi tu m'as mise là? Alors, Humans at Work. La carrière d'un ou une DRH et ou d'un ou une dirigeante est jalonnée d'histoires et de rencontres avec des collaborateurs, collaboratrices. Déjà, ça démarre mal. Collaborateurs. Déjà. Oh, c'est une DRH qui a écrit le texte. Bon. Notre experte du lab, Bénédicte Tillois. Experte du lab, ok, ça pue aussi, ça. Bon, allez. Je vous ai dit, il fallait se mouiller la nuque. Hein. En sait quelque chose, au cours de sa carrière, elle a recruté, managé et collaboré. Alors, je vous rappelle que sur cette chaîne, il y a la commande point d'exclamation stop. Et si vous êtes plusieurs à l'utiliser, on arrête immédiatement ce qu'on est en train de lire ou de visionner. Parce que là, juste en trois phrases... Team premier degré, comment j'aimerais pas me faire traiter de collabo au taf. Ok, d'accord. Moi, je dirais que la collaboration, c'est d'abord des rencontres. Moi, c'est pareil. Hein, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à me dire que je suis une collaboratrice, il va se faire fumer la tronche, mais d'entrée, quoi. On va simplifier les rapports, mais direct. Aïe. Donc, avec quelques milliers de salariés dans des écosystèmes divers et variés. Les écosystèmes.
Ils sont pas en train de parler de la nature, ils parlent du monde de l'entreprise, hein, mais sinon ça va. Wouh ! Ah, je suis déjà bien bien. Dans cette série, elle revient sur les rencontres les plus marquantes de sa vie pro. Sa vie pro. Parce que professionnel, c'est trop long. C'est pas assez disruptif. Oh mon Dieu ! C'est la magie, hein. Ouais, carrément. Ouais. Ouh. Ce qu'elles lui ont appris sur elle, les autres et le monde de l'entreprise. Alors, je pense qu'en fait, c'est le genre de texte qu'il faut lire comme ça. Là, ça mérite une petite Marlène sur toute la durée du texte, je pense. Mais j'aurais pas la force. Au petit matin, elle est souvent la première, le casque de sécurité vissé sur la tignasse, dans l'orange criard de sa tenue à haute visibilité, à piétiner dans la boue des chantiers, haranguant les uns, criant ses encouragements aux autres pour être entendue malgré le bruit infernal des gros engins jaunes qui manœuvrent à côté d'elle. Ça va beaucoup trop bien avec ce texte, la voix, on est d'accord. Les écosystèmes pour parler de l'entreprise, hein, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Oui, oui, bah oui, oui, mais tu n'es pas assez disruptive, Striga. Sois plus disruptive. Welcome to the jungle, c'est très Startup Nation, ça. Ouais, ouais, mais carrément. Hein. Bienvenue sur LinkedIn. C'est ça. Oh la vache. Un chantier, c'est toujours une grosse aventure. Alors que la ligne de production... C'est pas une punition. Des machines, du monde partout, un peu de pression, car le temps file vite. Allez, j'essaie de le faire en Marlène. Car le temps file vite, et tout le monde le sait, le temps, c'est de l'argent. Son téléphone sonne au moins 10 fois par heure. Un fournisseur lui explique qu'il ne pourra pas aller livrer à temps. Un intérimaire n'a pas compris que c'était bien aujourd'hui qu'il devait être présent. Parce que les intérimaires, c'est des sous-prolos, donc c'est très très con les intérimaires. Hein. C'est, limite, c'est pas des vraies personnes. Hein. N'oubliez pas, quand même. Son adjoint qui ne trouve plus les consignes de sécurité. Parce que oui, les adjoints, il est en dessous d'elle, l'adjoint. Donc c'est moins la réussite. Donc c'est moins le mérite. Donc il est con aussi, hein, du coup, l'adjoint. Toutes les autres fois, c'est pour accuser réception de nouveaux grains de sable qui viennent enrayer le cours de sa journée. Mais la pauvre... Aucun de ses coups de fil n'entame durablement son énergie. Oui, parce que c'est une winneuse. Elle sait bien que c'est son rôle de faire face. Alix tient bien son budget. Elle ne se souvient pas d'avoir dû demander une rallonge pour terminer un projet. Elle est trop douée et je veux trop être comme elle. Ses équipes l'apprécient. Elle ne manque jamais d'organiser une petite célébration après la clôture de chaque affaire. Ah, j'en peux plus. Oh, salut Pollux Mille, bienvenue. Alors, c'est quoi cet article ? Je te mets le lien à mon corps défendant. C'est un article écrit par une DRH. Sur un site qui pue très fort la Startup Nation. Et c'est pour ça que j'essaie de le lire façon Chiappa. Parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le lire. Et même là, ça me fait violence. Elle reçoit une couronne de fleurs à chaque fois aussi, mais sans doute. Au secours, les ressources humaines. Oui, alors petit rappel, les ressources humaines, c'est un terme qui est très humiliant. C'est très humiliant pour les prolos. Ça veut dire que les gens que nous sommes, les travailleurs, nous sommes des ressources. Nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des ressources. Comme la matière première. Comme les déchets aussi qu'il faut gérer. La gestion des ressources humaines. Il faut nous gérer parce que nous sommes des matières premières. J'adore ce terme de ressources humaines, pas vous. Tu le fais trop bien, fais gaffe quand même que ça reste pas permanent. Ah non, tuez-moi si ça arrive. Hein. Pitié. Moi, je suis favorable à l'euthanasie si ça arrive, que le chiapaton reste permanent, mais achevez-moi, faites quelque chose, hein, par pitié.
Reprenons. C'est là qu'elle leur dit combien elle est fière, qu'elle a la chance d'avoir une équipe qui gagne. Que chacun a apporté sa contribution. Pas toujours très original, il n'empêche, ça fait plaisir quand on s'est décarcassé que le chef, en l'occurrence la chef, s'en rende compte et remercie. Alors, Bénédicte, comment dire que, à mon avis, les gens qui sont félicités, encouragés, mon cul sur la commode, ils préféreraient une augmentation. Ou des conditions de travail plus décentes, ou de meilleurs horaires, ou... Non, ça fait pas plaisir, ça fait tu te fous de ma gueule. C'est limite, c'est le côté je te paye en visibilité ma gueule. C'est ça. Pouh. Quand dans ce modèle économique néolibéral où les ressources sont interchangeables, plus de lithium, pas de souci, on utilise des patates. Faudrait pas en faire un AVC. Ouais, je vais avoir du mal. Hein. Ah oui, j'adore faire partie des stocks, ouais. Moi, un de mes termes préférés, c'est demandeur d'emploi, en mode... SVP, sauvez-moi du chômage. Oui. Oui, c'est ça. Salut, curieux. C'est clair, ouais, c'est ça. Ou un CDI, oui aussi, plutôt que de prendre des intérimaires, machin, tout ça. Quel terme proposerais-tu à la place de ressources personnelles, gestion des employés, peut-être? Ça peut être ça. Il y avait aussi, avant, c'était tout bêtement chef du personnel. Chef, parce que oui, malheureusement, il y a une notion d'hiérarchie. Donc... En autogestion, ce serait mieux parce qu'il n'y aurait pas besoin de hiérarchie, ce serait horizontal. Mais, bon, ok, chef du personnel, parce que dans personnel, il y a les personnes. Déjà, c'était mieux. Là, pour une fois, on peut dire c'était mieux avant. Pour une fois, je ne le dis pas souvent. Je ne demande pas d'emploi, j'ai besoin d'argent. Ouais. Oui, c'est Coluche qui... Je crois que c'est Coluche qui disait, C'est pas tellement un emploi qui demande un salaire leur suffirait. Oui. Madame Machin, tu peux être inscrit par Pôle emploi des stages de soutien psychologique. Faut te soigner parce qu'il n'y a pas de table dans ta région. Salut Lénodine. Mais oui, quitte à choisir un terme dans le cadre de la hiérarchie totalement verticale d'une entreprise, qui n'est pas le cadre que je préférerais voir se mettre en place, chef du personnel, c'était mieux que DRH, que directrice des ressources humaines. En même temps, salaire à vie, oui, salaire à vie, autogestion. En même temps, vu l'état de santé mentale de certains chômeurs broyés par la culpabilité, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oui, on meurt du chômage. Le chômage tue. Le chômage tue. La pauvreté tue. Et 13-12. Je les vois bien, les gars, meufs, clopes au bec avec leur gars en mode, elle nous prend pour des cons, quoi, avec son côté winner start-up quand ils ont fini un truc. Ouais, surtout sur les chantiers. Hein. Sur les chantiers, c'est pas tellement l'ambiance de « Vous êtes des winners !» Non. On est des gens qui se détruisent la santé à faire un boulot de merde super mal payé, en fait. Le cul dans le froid. Et les pieds dans la boue. C'est ça qu'on est. C'est pas des winners. Le terme, c'était service du personnel. Oui, la totalité du service, ouais. Merci Better Life pour ton follow. Bienvenue. On est en train de se saler un peu avec les cris d'une DRH, donc c'est un peu compliqué, là. Salut Kane, merci. Les gens n'ont pas besoin de travail, ils ont juste besoin d'argent. Oui. Même pas forcément d'argent, de tout simplement de quoi vivre correctement. Ambiance cogip au chantier, ça passe pas. Non, pas trop. Pas trop. À condition qu'on t'envoie un ou une vraie psychologue, pas un ou une thérapeute bidon qui va juste insister pour que tu continues à envoyer des CV. Ouais. J'ai vu une psy de Pôle emploi quelquefois, elle était surtout du côté des patrons. Ouais. Ma sœur est DRH, dialogue de sourds lors des dîners de famille. Je vois bien l'ambiance. Chacun son entrisme. Allez. Retour de Marlène, attention.
À la maison, elle gère. Un dimanche, alors qu'elle s'apprêtait à partir vers 8 heures pour rejoindre son bureau, elle avait entendu des petits pieds nus se dépêcher sur le carrelage de la cuisine. Ses enfants, encore tout ensommeillés, venaient à sa rencontre pour lui réciter l'un son poème de fête des mères, l'autre lui offrir l'empreinte de sa main aux doigts écartés dans un magnifique cendrier en plâtre. Alors que si ça se trouve, elle ne fume pas. Qu'est-ce que c'est que ces gosses-là qui ont des cendriers alors que c'est pas bon de fumer? C'est n'importe quoi. Oh, merci curieux. Merci curieux, sponsor officiel de ce stream. Tu régales. Et merci aussi pour l'Auvergnate, l'Inodine, Poisson Ninja, Petit Lotus et Octogame. La communauté et moi te remercions chaleureusement. Pas de collier de nouilles cette année. Non, pas de collier de nouilles cette année parce que le prix des pâtes a augmenté. Alors, pas de collier de nouilles. Et le cendrier, c'est pas malin non plus parce que les clopes aussi, elles vont augmenter. Donc, faudrait savoir à un moment, je sais pas quoi. Des mouchoirs pour pleurer. Ah bah non, pas elle. Pas de mouchoirs. Elle a la win. Et là, la tristesse de cette phrase. Les gosses savent, quand maman est d'astreinte, elle part tôt et revient tard, autant anticiper. Alix ou le syndrome de la bonne élève? Oh, cette phrase. Pour résumer, côté pile, Alix est sur tous les ballons. Cette phrase. Oh my fucking god. C'est la chic fille qu'on a tous envie d'avoir comme copine. Non. 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 Non, 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 non. Moi, une responsable sur un chantier qui, à la fin du chantier, fait « Wouhou !» la petite célébration, alors qu'en face, c'est des gens qui, parfois même littéralement, se tuent au travail. Parfois littéralement. Moi, j'ai pas envie d'être sa copine. J'ai pas envie d'être sa copine. J'ai envie de lui crier ma colère à la tronche. Parce que là, je le fais devant une caméra, mais j'aimerais bien pouvoir lui dire ce même genre de mots, mais en face. Pour dire, Alix, tu es une sac à masse. Tu fais pas des célébrations sur un chantier pour dire, wouhou! C'était quoi les mots? Attends, c'était quoi les mots? On va les retrouver. On va les retrouver. Tu leur dis pas? Combien tu es fier que tu as de la chance d'avoir une équipe qui gagne et que chacun a apporté sa contribution. Tu dis pas des choses comme ça, Alix. C'est insultant, c'est méprisant. Tu les payes pas en visibilité quand eux, ils sont là juste à bosser pour leur survie. Parce qu'en plus, c'est juste de la survie. C'est même pas de la vie quand tu fais des boulots comme ça. Une fois que tu as payé tes factures, et bah t'es planté comme ça et puis tu attends le mois suivant. Et il reste une semaine, deux semaines à tenir pour le mois suivant. Non, Alix, tu fais pas des trucs comme ça. Je ne t'aime pas, Alix. J'ai pas envie d'être ta copine. Va chier, Alix. C'est marrant, ça va mieux quand je parle comme ça que quand je lis les trucs avec la voix de Marlène Schiappa. C'est marrant, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris à cette phrase. Tu sais, c'est en sport. Quand t'es là sur tous les ballons... moi, c'est l'image du volet qui me vient, parce que, voleilleuse, c'est le gars ou la fille qui est là sur toutes les balles, quoi. L'omniprésence sur le terrain, tout ça, machin. C'est pas infantilisant du tout, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Toi non plus, t'as pas envie de l'avoir comme copine. La célébration pour les détenteurs de CDI de chantier. Youpi, vous êtes au chômage. Ouais, en plus. En plus. Oh, pou, dévoué corps et âme, ouais. Mais voyons, tu sais bien que ces gens-là claquent l'assaut de rentrée scolaire, croulent sous les allocs pour s'acheter des écrans plats. Ouais, je sais. Allez. Un collègue, malade et absent depuis plusieurs jours, reçoit forcément un appel de sa part. Elle déjeune régulièrement avec l'épouse d'un de ses adjoints décédés pour prendre de ses nouvelles.
Elle a du temps pour tous les malheureux et les éclopés du service. On s'en fout que tu aies du temps pour eux. On préférait que tu aies des décisions pour elle et pour eux. Tu vois le... Non, tu vois pas? Peut-être que t'es pas assez de gauche, en fait, si tu vois pas. D'abord, qui a jamais vu un ou une DRH sur un chantier? Alix n'est pas ma meilleure copine. Mais quel enfer. Une sainte, ouais, une sainte, c'est ça. Elle se croise business manager, ça va la mordre. Oui, oui, bientôt, va falloir la canoniser. Hein. Ouais. Ben, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire, là. Hein. Elle est toujours de bonne humeur, voilà. Mais côté face, Alix va vivre un gros chagrin de reconnaissance. Non, Alix, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Oh. Moi aussi, on m'a déjà invité à déj, je vous ferai de la boîte. Hein. Au hasard d'un échange à la machine à café, alors que tout le monde rigole, et elle particulièrement, parce qu'en plus, Alix est drôle. Sans qu'elle s'y attende, 5 petits mots à la suite, prononcés par un de ses voisins d'Open Space, lui font descendre le cœur dans l'estomac. Vous savez quoi? Alix est nommée directeur technique. Ses yeux sans but, elle a juste le temps... Ah, attendez. Alors là, je passe en voix triste, hein, c'est plus Marlène. Ses yeux sans but. Elle a juste le temps de courir s'enfermer aux toilettes pour fondre en larmes. Assise sur la lunette des cabinets, elle est envahie par le ressentiment. Alex, mais pourquoi lui? Et surtout, pourquoi pas elle? Comme elle ne ménage pas sa peine et que son service tourne bien, elle s'attendait à ce que ce poste lui revienne naturellement. Alex est une bonne élève. À l'école, on lui a appris à lever le doigt avant de prendre la parole, à ne pas se vanter d'avoir des bonnes notes et à bien travailler pour les mériter. Alors au boulot, c'est pareil. Elle n'a pas jugé utile de faire campagne pour obtenir ce poste quand elle a su qu'il serait bientôt disponible. Elle n'a pas fait savoir qu'elle était candidate. Elle craignait même que le fait d'en parler lui fasse du tort, qu'on la trouve ambitieuse. Donc elle s'est tue. Inutile de dire qu'Alex, de son côté, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire connaître ses intentions. Multipliant les occasions de croiser la DRH à la cantine, son patron le soir à une heure tardive, et quelques dirigeants bien placés aux formations, auxquels il s'est inscrit uniquement pour les rencontrer. Les résultats d'Alex ne sont pas mauvais, ceux d'Alix sont sans doute meilleurs, mais ce n'est pas elle qui a été choisie. Alors, en fait, Alix, ça s'appelle le patriarcat. Tu as tout fait pour être une winneuse dans ton boulot, y compris, je pense, écraser d'autres personnes. Parce que ton petit coup de la célébration à la fin du chantier, alors que la fin du chantier, ça veut dire que pour les gens avec qui tu fais la célébration, ils n'ont plus de travail. Et toi, t'es là avec tes petits ballons, ton petit gâteau et ton jus d'orange à faire « Youhou !» Ça s'appelle écraser les gens, Alix. Et ce que tu subis là, c'est qu'à ton tour, tu te fais écraser. Mais cette fois par le patriarcat. En fait, parce que lui, là, il n'a pas lésiné. Il a fait connaître ses intentions. Vas-y que je croise la DRH à la cantine. Son patron, le soir, à une heure tardive. Alix, tu as des enfants. Tu peux pas croiser ton patron le soir à une heure tardive. Ah bah, courage à toi pour le boulot, Pollux. Courage, force et cœur sur toi avec des fourches. J'ai pas postulé, c'est le mec qui a postulé, qui a été pris, je comprends pas. Et donc, tu vois, il s'est inscrit à des formations pour rencontrer le patron et quelques dirigeants parce que le monsieur, il a le bouclier magique. Il a une bite.
Et la bite, c'est un bouclier magique dans le monde de l'entreprise. Eh oui. Oui, parce que... alors, pour les plus anciens, et peut-être même les plus jeunes qui auraient vu passer ça en même, il y avait la pub qui disait qu'en gros, tu peux tout faire en espadrille. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et alors, imaginez, je crois que c'est celle-là. Imaginez qu'à la place de espadrille, ce soit bite. Parce qu'avec une bite, on peut tout faire. Espadrille. Groupement France Espadrille. Alors il y a un truc qui s'appelle Groupement France Couille. Tu n'as pas de bite, Alix. En plus, t'as pas postulé, mais avec une bite, on peut tout faire. On peut s'inscrire à des formations, rencontrer des responsables tard le soir, parce que chez toi, il y a quelqu'un qui n'a pas de bite et qui va assurer le quotidien, les enfants, le ménage, la cuisine et tout ça. Imaginez la chanteuse en studio devant son micro. Bon, ok, vous voulez la parodie. Ok. Allez. Waouh, c'est beaucoup plus fort. On a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille. En espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille. C'était un message de la collectivité des Tongs. En espadrille. Et Farouja sur la dernière note. Un de mes directeurs m'a dit, si tu veux quelque chose, faut le demander. 2 mois plus tard, je lui ai dit, je veux ce poste qui s'est libéré avec 400 € de plus et le grade d'agent de maîtrise. J'ai eu le poste avec 300 balles et sans la promotion, tandis qu'un mec pas très futé que j'avais formé a eu un poste similaire avec le grade. Cherchez ce qui cloche. Tu n'as pas de bite, Gigi Lou. Ça marche à tous les coups. Toi non plus, tu connaissais pas l'original. Vous êtes trop jeune. Quoique non, c'est les années 80. Je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui étaient déjà sur Terre. Il y a plus de blé dans le sketch des nuls que dans la vraie pub. Fun fact, mon fils a passé un bac beat et ils étaient 3 dans sa classe. Ça existe le bac bite maintenant? Ils apprennent les avantages que procure une bite, non? C'est quoi le principe de ce bac? Quelle idée de merde d'être une femme aussi, il y en a, ils font pas d'efforts. Bah oui. C'est pas la réussite, ça. Quand vous êtes même pas foutu, dans les tout premiers instants de votre existence, de choisir entre XX et XY, bah merde, quoi. À main de donner, quoi. Franchement, n'est pas vous plaindre après, hein. Bio-industrie de transformation pour travailler dans l'agroalimentaire. Ok. Maniement le déploiement des bites sur le terrain ainsi que leur impact économique sur la vie des Français. On a dit combien hier le coût de la virilité? 95 milliards. 95 milliards, le coût de la virilité. Donc. Oh là là, le titre ici en dessous, là, déjà je fais un blocage. La morale RH de l'histoire, l'opting out n'est pas un mythe.
Il y en a qui se font des couilles en or. Les nouilles en or ou les couilles en or, faut choisir. Il y en a qui choisissent de passer homme et ça va pas non plus. Oui, c'est vrai, Madouk. C'est vrai. Donc, pour que ce soit vraiment un bouclier magique, il faut que la bite soit là dès le début. Ouais. Ouais, ouais. C'est au moment du choix des chromosomes, tout ça, c'est là. Opt out ou buy out, suivez les conseils d'investissement de Barbara Lagauchis Limited. C'est donc ça le secret, oui. Oui, oui, c'est ça le secret. Il faut l'avoir à la naissance, sinon ça compte pas. Ça compte pas parce que c'est de la magie. Et pour que ce soit magique, il faut... c'est les ingrédients, il faut que ça arrive au bon moment et dans le bon ordre. Je crois que c'est ça. Si tu n'as pas la bite au départ, ou si tu ne veux plus ta bite, alors là, c'est pareil. Si tu ne veux plus ta bite, ou si tu ne veux plus qu'on sache que tu en as une, tu perds ton bouclier. Ça marche aussi dans l'autre sens. Faut juste être un bon lèche-cul dans le monde du travail, peu importe le sexe. Non, Natch, hein, c'est à deux niveaux de léchage de cul identiques, s'il y a le bouclier magique de la bite, ça donne ça. Alors si l'autre côté, il n'y a pas le bouclier magique de la bite, ça reste là. C'est de la triche, oui, c'est de la triche. C'est du mérite. C'est le même mérite que celui des héritiers. C'est la loterie de la naissance. C'est le mérite de la loterie de la naissance. Il faut naître riche et avec une bite. Et là, c'est... Et blanc. J'allais oublier. Traite pas Barbara de limiter, c'est pas poli. Ouais, même en anglais, on t'a vu. Hein. Il y a des personnes nées avec une bite qui sont des femmes et ça se passe pas bien non plus. Ouais, c'est ça. J'aurais bien tenté GMBH, mais après, faut expliquer. Non, j'ai bossé dans des boîtes où il y avait des entreprises allemandes comme clientes ou comme fournisseurs, donc je l'ai, GmbH. Du bug exploit as usual, il y a un minimum. Les mecs lècheront toujours plus, la preuve avec le type qui reste tard au lieu de s'occuper de ses gamins. Bah, ils lèchent toujours plus parce qu'ils ont la possibilité, justement, du fait qu'ils ont le bouclier magique. Et même chose en politique. Pourquoi ? Alors que maintenant, il y a des lois qui essaient de mettre en place la parité, pourquoi est-ce qu'il y a plus de mecs qui sont bien placés en politique que de femmes ? Bah parce que la politique, ça se passe souvent le soir. Quand on débute en politique, c'est dans le militantisme. Le militantisme des réunions, c'est le soir, etc., etc. Quand vous prévoyez votre réunion, bon, la réunion, je ne sais pas, mettons, de 8 à 10, y a un moment où, quand on est une femme, à moins d'être célibataire, sans enfant, il y a un moment où il faut rentrer à la maison. Et eux, non. Eux, non. Donc après la réunion où il y a tout le monde, y compris des femmes, vas-y que je reste entre couilles pour boire un petit canon avant de partir. Et là, il y a les vraies discussions. Au moins, quand ils font ça, ils sont pas au bistrot, comme disait Von de Gaulle. Ouais. par contre, là, je suis en train de subir une petite panne technique physiologique. C'est qu'il va falloir que je mange un truc. Est-ce que vous avez une idée de quelque chose d'intéressant à regarder ? Salut Riella.
Moi, je restais tard malgré mes gamines que j'élevais seule et même ça n'a pas suffi pour la promotion. Eh oui, bah oui, tu n'as pas de bite, c'est ça le problème. qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme vidéo qui me laisserait le temps de manger quelque chose parce que sinon je vais pas être bien. Que des trucs que vous avez déjà vus. Heure de goûter confirmée. Ouais, ouais, c'est ça là. Je sens que pas bien. Je suppose que vous l'avez déjà vu, ouvrez les guillemets. Est-ce que ça vous ennuie de le revoir? T'as un cours animé, Madouk? Ok, bah tu peux me mettre le lien par chuchot, s'il te plaît. C'est court, genre... parce que là, OLG, c'est 17 minutes, c'est de cet ordre. Ça m'embête pas de revoir. Ok. Madouk, ce qu'on fait, envoie-moi ton lien par chuchot de toute façon. J'enchaîne sur l'OLG, puis je vais aller manger quelque chose. Salut, Logeco. T'as vu Fabien Roussel ? Hop, 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 hop. Je vais flex un peu sur le tout début de la vidéo. Parce que depuis le temps que je dis qu'il faut pas parler de Roussel, parce que ce mec fait juste de la merde pour pouvoir exister et pour pouvoir se faire inviter partout, et ben bah, mine de rien, bien reçu Madouk, merci. Mine de rien, moi quand je vois que Usul et Host disent la même chose que moi, je flex. Pas de souci. Dans la catégorie, nos militaires ont du talent. Vous vous souvenez de la Perle, le sous-marin qui avait pris feu il y a 2 ans? Bah, il vient de recramer. Ah. Ok. Mm-hmm. Je m'en fous, mon fils, il embarque plus. C'est égoïste comme réflexion, oui. Mais c'est mon fils. Allez, je vous mets ça. Je viens... 3 minutes. Ok, ben on se le gardera pour une pause alors, Madouk. Parce que 3 minutes, ça me laisse pas le temps de manger. Allez, je vous mets la vidéo, je vais manger et je reviens dès que possible. T'as vu Fabien Roussel, ce qu'il a dit ? Non, ça suffit, Fabien Roussel. Ça suffit. Au bout d'un moment, on voit bien qu'il fait tout pour se faire remarquer, on va l'ignorer. Non, mais il a sorti une vidéo. Oui, en fait. Bah il a sorti une vidéo, il a dit une connerie, enfin bon, voilà, Fabien Roussel, quoi. On va pas faire ça toute l'année. Bon alors, la gauche, là, c'est le malaise, là. Qu'est-ce qui se passe avec Bayou, Quatennens, là? C'est quoi, ce bordel? Alors, quand on lit vos programmes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est super bien, c'est le top du féminisme. Par contre, quand il s'agit de gérer les cas en interne, là, ça bafouille, on sait plus quoi dire, on fait des tweets de merde, hein, Jean-Luc? Et puis après, c'est aux femmes du parti d'aller sur les plateaux, en conférence de presse, pour rattraper le coup. Madame Autain, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse, quelle est votre position par rapport... Oui, mais je sais que vous avez, en tout cas, vous réagissez beaucoup sur ces questions, c'est normal. J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Comme vous voulez. Bon, vous voyez de quoi on va parler. On va parler de ce qui est devenu l'affaire Quatennens. Le député insoumis a reconnu avoir été violent avec sa femme. Il a notamment admis lui avoir donné une gifle, lui avoir pressé le poignet, confisqué son téléphone, le tout dans le contexte d'un divorce que Quatennens qualifiait de « difficile » dans son communiqué. Les faits relatés par Adrien Quatennens sont graves. Il s'agit de violences. Et le contexte de ces violences n'est pas une excuse. Oui, parce que depuis quelques années, on connaît un peu mieux les féminicides, on les raconte mieux. On voit qu'il y a un truc qui revient quand même, c'est le mari violent qui pète un câble précisément au moment où sa femme le quitte, c'est-à-dire au moment où elle sort de son emprise, voilà, donc il y a des signes, on connaît le pattern, donc les gestes qu'a admis Adrien Quatennens ne pouvaient pas être traités à la légère. En tout cas, Mélenchon aurait pu publier autre chose que ce qu'il a tweeté le dimanche 18 septembre. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui, je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection. La militante féministe, Caroline De Haas, lui a proposé en réponse un exemple de ce qu'il aurait pu tweeter ce jour-là. Les violences au sein du couple sont intolérables.
irréparable. Quels que soient les conflits qui existent, j'exprime mon soutien à Céline, je prends acte des excuses et du retrait d'Adrien de ses fonctions au sein du mouvement, tout mon soutien aux femmes victimes partout dans le monde. Voilà, c'est vrai que c'est mieux. Oui, du coup, pour en savoir plus, on a interrogé Caroline Dehaas pour voir comment elle interprétait le tweet de Mélenchon et ce qu'elle en comprenait. Pour moi, là, il y a un signal de manque de formation de la part des dirigeants politiques, pas que Jean-Luc, franchement, de la part des dirigeants politiques sur la question des violences. Mais il y a aussi, pour moi, avec ce malaise autour du tweet de Mélenchon, un signal, un questionnement sur le fonctionnement démocratique de cette organisation qu'est la France Insoumise. Oui, parce qu'il y a eu malaise. Hein. Même dans l'entourage du vieux, on n'a pas trouvé cette déclaration à la hauteur de la gravité de ce qui était reproché à Quatennens. Oui, et tout ça s'est raconté dans un article de Ariane Chemin et Raphaël Baquet, un article paru le 19 septembre dernier dans Le Monde. Toute la matinée de dimanche, Manon Aubry, Daniel Obono, Raquel Garrido et Clémentine Autain, toutes chefs de file de LFI, se sont battues pied à pied pour imposer au groupe d'hommes qui entourent Jean-Luc un communiqué corrigeant le message de Mélenchon. L'article revient en longueur sur la difficile mise en place chez les Insoumis d'une cellule d'écoute et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à partir de 2018. Une cellule d'abord confiée à Danielle Simonet, une proche de Mélenchon. Évidemment, ça a posé des problèmes aux militantes féministes insoumises qui auraient aimé davantage d'indépendance. Sarah Legrain a pris en 2020 la tête de ce que Mélenchon, méfiant, qualifiait de « machin ». Et bon an mal an, ce « machin », le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, a traité déjà près d'une trentaine de signalements dont certains ont donné lieu à des exclusions. Mais évidemment, il est plus facile de prendre des sanctions contre des militants de base que contre des figures en vue du parti. On pense par exemple au signalement contre Taha Bouaf, Cédric Coquerel ou encore Thomas Porte. Ces cas ont fait beaucoup de bruit et ils ont été difficiles à traiter pour la France Insoumise. Et on peut le comprendre, si la commission de suivi est dirigée par des cadres, eh ben, qu'on soit Danielle Simonet, Sarah Legrain ou même Clémentine Autain, même avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile de traiter le cas d'un camarade avec lequel on a milité parfois depuis des années. Surtout quand on doit enquêter seul, puis juger seul et vite, comme ça a été le cas dans l'affaire Bouaf. Même si les gens sont parfaits, connaissent par cœur ces sujets, sont de la meilleure volonté du monde. Ça ne peut pas reposer sur une seule personne, c'est impossible. C'est trop dur, c'est des sujets qui sont trop difficiles. Vous écoutez la parole d'une victime, c'est exactement, par exemple, le cas Taha Bouaf, c'est un très bon exemple de ça. Vous recevez un témoignage. Si vous êtes la même personne qui doit ensuite arbitrer, c'est intenable en fait, c'est vraiment difficile. Vous venez d'entendre Lénaïque Bredoux, qui est journaliste à Mediapart, elle est spécialisée dans le traitement des violences sexistes et sexuelles. Elle avait notamment couvert l'affaire Denis Baupin, c'était un peu avant MeToo en 2016, et cette affaire avait pas mal secoué Europe Écologie Les Verts. Denis Baupin, député de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale, mis en cause par plusieurs femmes de son ancien parti politique. Elle dénonce harcèlement et agression sexuelle. Parmi elles, Sandrine Rousseau, l'une des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, à l'époque, elle explique avoir parlé des agissements de Denis Baupin à deux cadres du parti. Pour l'un, il m'a répondu il a recommencé, c'est pas possible. Et puis l'autre l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire on sait, de toute façon, il fait ça à tout le monde, quoi. Bon, cette affaire, elle a été importante pour toute la gauche. En fait, c'est Sandrine Rousseau et quelques autres qui ont poussé les partis de gauche à prendre cette question au sérieux. C'est ça qui a amené à ce que ces partis créent des cellules d'écoute, cellules de suivi, etc. Alors, il y a aussi des affaires à droite. Hein. On l'a vu avec Abad, avec Zemmour, évidemment avec Darmanin. Mais on a l'impression que dans les partis de droite, les choses avancent un petit peu plus lentement. C'est un euphémisme. J'en ai rien à foutre. C'est pas plus à gauche, à droite. C'est pas parce qu'il y a plus d'affaires qui sortent à gauche qu'à droite qu'il y a plus de violences sexistes et sexuelles à gauche qu'à droite. Mais par contre, c'est vrai que le lien avec l'engagement féministe fait que souvent, malgré tout, dans les formations politiques à gauche, il y a plus de cadres pour prendre la parole, pour croire qu'on est écouté et mettre les mots aussi dessus. Mettre les bons mots sur les choses, déjà, c'est un premier pas, d'autant plus que ces mots, ils ont changé. Hein. Il y a 10 ans, on disait un dragueur lourd, aujourd'hui, on dit un harceleur directement. Et si les jeunes militantes sont bien à jour sur ces questions de vocabulaire, les mecs ou les gens d'une autre génération ont beaucoup plus de mal à comprendre que ce qui était très peu dénoncé il y a 10 ans est devenu inacceptable aujourd'hui. Enfin, faut se rappeler, l'affaire Dominique Strauss-Kahn, ça touche le Parti Socialiste, on est en 2011. Tout ça, c'est quand même la vie privée, des affaires de bonnes femmes. On est quand même dans cet environnement-là où si on reprend encore, enfin, c'est sidérant, c'était il y a 10 ans, hein, c'est pas il y a si longtemps. Pendant très longtemps, on a quand même considéré que ces sujets n'en étaient pas vraiment, que c'était pas des sujets politiques surtout. C'était pas des sujets politiques. Aujourd'hui, on sait que ce sont des sujets très politiques, parce que qu'on parle d'agression ou même de climat sexiste, si c'est cette ambiance-là qu'il y a dans le parti, ça va avoir des conséquences très concrètes sur la carrière des femmes en politique, ou même la présence des femmes en politique. C'est ce que nous a expliqué Marine Tondelier, figure montante d'Europe Écologie Les Verts. Être une femme en politique, pendant très longtemps, ça voulait dire prendre sur soi ou partir. Et en fait, il y a des choses qu'on enfouit en soi, quoi. Enfin, on essaye de... je ne sais pas si c'est des méthodes de résilience ou de distanciation. Je n'ai même pas envie de faire ma psychanalyse en direct. Mais...
Salut MX Mortac, merci pour le raid. Je suis désolée, je ne suis pas à l'image parce que j'ai fait un petit coup d'hypoglycémie et je suis en train de manger. Donc je suis en soum-soum et du coup, au débeauté, j'ai décidé de passer le dernier OLG que tout le monde a forcément déjà vu, mais que ça ne fait pas de mal de le revoir. Donc soyez les bienvenus. Non, non, mais t'inquiète, je suis coutumière de ce genre de choses de toute petite. Donc ça va le faire. Faut juste que je mange un truc en combinant. Ça sert à rien de faire des gestes avec mes mains, parce que vous ne me voyez pas. Mais bon, je parle toujours avec les mains. Faut juste que je mêle sucre lent à sucre rapide, et puis ça pourra redémarrer pour un tour. Donc soyez les bienvenus, prenez place, prenez vos aides. Vous êtes dans le gauchistan. Vous êtes sur la gauche qui se donne de la force et qui banne les faf. Donc, à tout de suite. Mais il y a plein de choses qu'on subit en tant que femme et on est amené à réagir chacune de manière différente. Et peut-être que moi, j'ai évolué dans un milieu où j'ai fait en sorte de... Ouais, de prendre sur moi, si je m'étais arrêtée à chaque violence sexiste, verbale, etc., j'aurais... Les journées auraient été longues quand même. Et les femmes elles-mêmes ont parfois besoin de formation pour se défendre, pour apprendre à nommer les choses, ou pour connaître le droit. Parce que les élus, ils sont comme tout le monde. En fait, ils connaissent pas... combien d'élus connaissent la définition du harcèlement sexuel, connaissent la définition de l'agression sexuelle? Je pense que franchement, je veux dire... et c'est pas les blâmer de dire ça, en réalité, il y a plein de gens qui savent pas. Et donc, ces formations, ouais, elles ont permis de nous mettre un cadre aussi, d'être formés par des gens qui connaissent bien ces sujets. Et ça a été, je pense, assez salutaire. Ouais. C'était assez salutaire parce que du coup, on se sent peut-être plus armés pour en parler. Alors oui, depuis 2016, les partis essayent de plus en plus de se former à ces questions. Parce que c'est bien beau d'avoir une cellule pour enquêter et sanctionner, mais le mieux, c'est quand même que les agressions n'aient pas lieu. La lutte contre les VSS, tous les gens qui travaillent sur ces sujets le disent, ça ne peut pas être que des procédures pénales ou des procédures disciplinaires, il faut que ce soit de la prévention. Et c'est vrai à l'école, c'est vrai à l'éducation sexuelle, c'est vrai à tout ça, mais c'est aussi vrai dans les entreprises. Et c'est donc vrai aussi dans les formations politiques, dans toutes les structures, en fait, partout, dans les clubs de sport, partout. Caroline Dehaas, justement, est à la tête d'une entreprise qui prodigue ce genre de formation. Elle nous a expliqué un peu comment ça se passait. En fait, quand on forme sur la question des violences, pour moi, le premier objectif de la formation, c'est ce que j'appelle percuter l'illusion de l'égalité. Parce que globalement, les gens ont l'impression que ça va. En fait, oui, il y a des violences, c'est pas bien, mais chez nous, c'est pas pareil. Voilà. Et dans 100% des espaces, que ce soit des entreprises, des partis politiques, encore plus quand c'est des structures plutôt de gauche, plutôt engagées sur le sujet, il y a vraiment cette conviction que chez nous, c'est pas pareil. Et on commence en général la formation comme ça, en disant on va parler d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel, parce que c'est des faits auxquels vous avez déjà été confrontés et vous serez confrontés à nouveau au cours de votre vie professionnelle ou de votre vie militante. Et là, je m'arrête et je dis aux gens dans la salle, peut-être qu'à ce moment de la formation, on est au tout début, hein, votre cerveau se dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, j'ai jamais vu ça. » Voilà. Alors, en fait, c'est juste que vous n'avez pas encore installé le décodeur, mais c'est le but de la formation. On va installer le décodeur et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a autour de vous. Vous êtes à la machine à café, vous n'êtes pas de super bonne humeur ce matin, et puis il y a votre collègue qui arrive et qui vous dit « Bah dis donc, t'as tes règles ou quoi ?» Si vous lui dites « Bah en fait, tu peux pas dire ça, c'est interdit », en général, il va vous répondre « Non mais ça va, t'as pas d'humour, on peut plus rigoler. » Moi, je refuse de rentrer dans un débat de « Est-ce que c'est drôle ou pas ?» Il a le droit, votre collègue, de trouver cette remarque drôle. C'est pas la question. La question, c'est que le code du travail dit que nul ne doit être soumis à un agissement sexiste. Il n'est pas précisé dans l'article du Code du Travail, si c'est drôle, ça passe. Puis en fait, même sur ces cellules-là, d'accueil de la parole, de sanctions, même là aussi, il y a besoin de formation pour mener ce genre de boulot, quoi, ça s'improvise pas. Oui, par exemple, avant de sanctionner, il faut faire une enquête. Et ça pose la question, comment est-ce qu'on fait une enquête? Elle sait faire une enquête, Caroline Dehaas? Oui. Ça m'étonne pas. Maintenant, je sais comment mener une enquête. C'est-à-dire, je sais combien... Voilà, j'ai une certitude, par exemple, je sais qu'il ne faut pas faire des entretiens d'enquête de plus de 45 minutes. Parce que c'est épuisant pour les victimes, c'est épuisant pour les personnes qui sont reçues. J'ai aussi la certitude qu'il faut que les gens puissent être accompagnés dans les entretiens. Parce que c'est très difficile, un entretien d'enquête, notamment si vous êtes la personne mise en cause, mais pas que, etc., etc. Il y a des trucs sur lesquels j'ai des certitudes. Et puis, il y a des trucs sur lesquels, en fait, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a aucune organisation politique où c'est bien fait, où c'est parfait. Parce que tout le monde tâtonne, parce que tout le monde voilà, progresse, avance, se pose des nouvelles questions qu'elles n'ont jamais posées. Il faut imaginer quand même les partis politiques qui savent exclure des gens pour dissidence, par exemple, depuis des décennies.
Mais gérer des enquêtes sur les VSS, sur les violences sexistes et sexuelles, en fait, elles savent pas le faire, elles l'ont pas appris. Donc partout ça tâtonne, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Les écolos s'y sont mis avant les autres, mais là, voilà, on voit bien que c'est pas non plus parfait. Ah bah voilà, prenons un cas précis chez les écolos. Julien Bayou. En juillet dernier, Le Figaro révélait que des accusations de violences psychologiques portées contre Julien Bayou étaient traitées par Europe Écologie Les Verts. L'affaire n'avait pas fait grand bruit, elle était sortie en plein été et elle était cachée derrière un paywall de droite. Seulement voilà, des informations circulaient de toute façon déjà dans les milieux militants, parce que si les cadres serrent les rangs et se taisent, les militantes, elles parlent entre elles. Hein. Bah oui, ne serait-ce que pour se prévenir, pour des raisons de sécurité et puis par solidarité. On voit ça dans un tweet de Marie Coquille-Chambel, une militante féministe qui raconte ce qui se disait sur Thomas Porte, par exemple. Quand je suis allé aux universités d'été de la France Insoumise en 2021, on m'a montré Thomas Porte et on m'a dit « Ne reste pas seul avec lui, fais attention ». Les camarades ont tenté de faire barrage à son intégration à l'AFI, sans succès, c'était su. Le tout suivi du hashtag « Relève féministe » qui est apparu ces derniers jours sur Twitter. Et c'est avec ce même hashtag qu'on a également vu fleurir sur le réseau des interpellations, notamment sur le cas de Julien Bayou. Bonjour ELV, la cellule VSS a été saisie en juillet après des accusations de violence commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité? Aucune mesure ne semble avoir été prise. Pourquoi? Hashtag relève féministe. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous trouverez sans doute assez facilement des ressources pour savoir ce qui est reproché à Julien Bayou. Mais c'est ce hashtag suivi d'une intervention remarquée de Sandrine Rousseau sur France 5 qui ont remis ce sujet sur la table et qui ont forcé Europe Écologie Les Verts à produire un communiqué, qui ont forcé aussi Julien Bayou à se mettre en retrait de la coprésidence du groupe écolo à l'Assemblée Nationale. Derrière Relève Féministe, il y a un collectif informel de militantes féministes d'un peu tous les partis ou même sans partis, mais réunis par un sentiment de ras-le-bol. C'est l'affaire Catenin, c'est la réaction de Mélenchon qui a précipité leur mobilisation, d'abord avec ce hashtag, puis avec cette tribune parue dans Libé. Silence, consternation, puis explosion de colère. Chez les féministes, ce n'est pas une vague de dégoût qui nous a emportés après les déclarations de nombreux cadres et partis de gauche, c'est un vrai tsunami. Face à une solidarité masculine qui protège des agresseurs pullulant dans nos sphères politiques, nous appelons à une relève féministe. Alors ça, c'est nouveau. Ça, c'est sans doute un des faits les plus intéressants de toute cette séquence. Pour la première fois, des militantes qui étaient un peu éparpillées dans leurs assauts, dans leurs partis, qui galéraient un peu chacune de leur côté, ont décidé de faire front pour que les choses avancent, pour qu'enfin il y ait dans ces partis, dans ces assauts, une relève féministe. Lorsqu'un groupe politique porte un programme féministe, on est en droit d'attendre qu'il cesse de protéger les agresseurs, surtout quand on sait qu'en France, au moins 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales par an, dit encore la tribune. Et oui, en effet, les volets féministes des programmes des formations de gauche sont souvent sous-traités à des militantes spécialisées sur la question. Alors oui, ils sont ambitieux, mais ils ne reflètent pas nécessairement la mentalité de la direction des partis sur la question. Et donc cohabitent dans la même organisation politique des gens qui ont donc écrit ce livret thématique et des gens qui saluent la dignité et le courage d'Adrien Quatennens quand il est mis en cause pour violence conjugale et d'après Le Monde, voilà, Jean-Luc Mélenchon qui parle du machin à propos du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Donc cette cohabitation, je pense, elle dit bien en fait l'espèce d'état d'entre-deux dans lequel on est. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui dans tous les partis de gauche, c'est qu'il y a en fait une forme de tétanie vis-à-vis des violences, c'est-à-dire qu'ils sont comme figés. Ce que je peux comprendre, hein, franchement, c'est terrifiant en fait ces questions-là. Et puis c'est douloureux parce que c'est nos potes en fait qui sont mis en cause. Enfin, en tout cas, les potes des dirigeants politiques. Du coup, les directions pataugent. Pour Quatennens, on a vu le cafouillis. Pour Bayou, elle en est où l'enquête, la cellule, tout ça, on ne sait pas trop. Et la manière dont elle est traitée par cette cellule, donc la cellule interne AEV, la cellule indépendante. Je n'ai pas à en connaître non plus, c'est-à-dire que nous, on a un grand respect en tant que dirigeants de ce mouvement, on n'a pas à interférer, à faire de l'ingérence, à leur dire comment faire, comment ne pas faire. Alors cette enquête, elle en est où? Bah du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que ça passe des coups de fil, ça panique un peu. Il y a certains qui auraient bien aimé que cette enquête n'aboutisse à rien du tout. Et c'est aussi pour ça que le hashtag relève féministe a fait beaucoup de bruit. Cette tergiversation ne passe plus auprès des militantes. Je sais que, par exemple, il y a des débats du côté de ce qu'on appelle les cellules d'écoute, qui disent qu'elles doivent garder totalement confidentielles les informations et ne pas les faire remonter au niveau des dirigeants du parti. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, par exemple. Je pense que les dirigeants du parti, ils doivent être informés. Alors, ils ne doivent pas forcément avoir les noms, ils ne doivent pas forcément avoir tout le détail précis, mais ils doivent savoir le niveau de gravité, sinon ils ne peuvent pas réagir de manière appropriée. Donc là, tout s'accélère à gauche, mais du coup, ça fait une crise. Et est-ce que c'est une bonne chose pour la gauche? Bah, je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de prévention contre les agressions sexuelles, qu'il y ait plus d'écoute dans les cellules d'écoute, que les militants comprennent mieux les comportements répréhensibles et que les militantes se sentent plus en sécurité? Ah bah c'est sûr, oui. Bah oui, si tu présentes ça de façon woke, oui. Je pense que c'est hyper important
qu'il y ait des voix de féministes qui s'expriment pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Mais c'est important tout court, mais en fait c'est aussi important pour la gauche. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nos dirigeants font des erreurs ou voire merde dans les grandes largeurs? Ben en fait, ça désespère les gens. Et notamment toutes les nouvelles générations qui sont beaucoup plus engagées que les précédentes sur ces questions-là, comment vous voulez qu'elles viennent voter derrière, qu'elles s'engagent en politique, si elles ont l'impression que leurs dirigeants sont déconnectés à ce point-là? C'est un peu des moments de révolution, des révolutions sociétales, et ça, en fait, ça se fait de manière forcément un peu violente, un peu dérangeante. Et moi, je porte pas de jugement non plus là-dessus, parce que peut-être que c'est la seule condition, que c'est la seule solution pour que ça se fasse vraiment. Donc tact, on en est là. Voilà, on en est là. Cette séquence est sans doute loin d'être terminée. Il s'est sans doute d'ailleurs passé des trucs ce week-end qu'on n'a pas pu traiter. Ouais, et puis ça pose aussi d'autres questions hein, pour les partis, notamment pour la France Insoumise. Comment ces partis vont pouvoir s'ouvrir, se démocratiser, devenir plus transparents, plus accueillants pour les militantes? Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour que les partis politiques ne restent pas des boys clubs. Alors comment on fait? Bah, tout ça, c'est un peu nouveau. Pour les partis, personne n'a de réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est que ce travail qui a commencé à être engagé ne va pas assez vite, hein, manifestement. Il est temps que la gauche fasse mieux. Voilà, à lundi, dans 2 semaines. N'empêche, c'est super sympa de la part de Caroline Dehaze de nous avoir fait sa formation gratuitement. Non, pas gratuitement, hein, on a reçu la facture. Hein. 15 000 balles, ça va être retenu sur nos salaires. Bam, 1 mois de salaire. Comment ça, 1 mois de salaire? 3 mois de salaire, oh là là, 3 mois de salaire, dis donc. Et... De quoi? 5? Et donc, faites mieux. Merci. Il y a du boulot. Et me voici de retour. Mais je ne vous jouerai pas de mauvais tour. Est-ce que vous avez envie de finir le truc de la DRH, là? Salut, furtive. Je propose un petit sondage pour savoir si on finit ou pas. Nagual, tu as déjà eu un stop tout à l'heure. Je ne compterai pas 2 fois. Non, mais on va laisser le peuple souverain s'exprimer. Question simple, réponse simple, on finit oui ou non. Pas de bourrage d'urne, pas de NSP parce qu'il suffit de pas voter. Alors, je vais te donner le lien, furtive. Le sondage est lancé. C'est... Comment dire ? Un article écrit par une DRH. Ça pue tellement la Startup Nation que pour supporter de le lire, j'ai dû imiter la voix de Marlène Schiappa tout le long. Sauf quand je faisais des commentaires où je leur en foutais plein la tronche. Mais sinon, pour la lecture elle-même, c'était tout le long. Et c'est lourd. C'est lourd. Et comme il ne s'agit pas, d'un vote pour un raid ou pour choisir un article, j'ai voté aussi pour le non. Parce que je trouve que c'est... Non, c'est lourdingue, il n'y a pas d'autre mot. C'est carrément lourdingue. Alors, ok, là on sera bon. On sera bon. En attendant la fin du vote, je vais mettre le lien que Madouk nous a donné tout à l'heure. On va faire comme ça. Requin. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. Je dirais même que ça pue. Et comme ça, je vais en profiter. Le vote, c'est pour savoir si on continue la lecture du texte tout caca-beurk écrit par la DRH.
très Startup Nation. On fait un team building sur le rooftop et je te colle à Zap. Donc voilà, comme ça je me fais ma petite tige de fin de pause. Ah merde, oui. Attends, non. Ah, tu m'as mis le doute, Kane. Non, on finit. Non, on finit pas. On finit le texte, non, on finit pas le texte. Donc oui, on continue à lire, ou non, on continue pas le texte, en fait. Oui, alors c'est vrai que vu comme ça... Est-ce que je refais un sondage pour savoir si tout le monde avait compris le premier sondage? Alors. Hop. Hop. Allez. On refait un petit sondage. Hop, pardon. Oh, ça va, arrête de m'engueuler, toi. Pas vrai ça. Oui, on arrête, non, on continue à le lire. Non, c'est pas ça. C'est non, on finit pas le texte. Faites ce que vous voulez, je suis en réunion, je suis obligée de garder le son, mais j'en ai rien à battre d'une force. Allez, l'animé, donc normalement le cadrage est toujours le même, hein, c'est bon. Oh, c'est un bourgeois. Le golf n'est pas de gagner, le but du golf est de jouer comme un gentleman et gagner. GG la cigale qui a banané le bourgeois. C'est un chasseur, bah c'est pas mieux. Est-ce que c'est l'arc de rédemption? Eh non. Ah!
notes de musique western, là. Alors, le titre me fume un peu, Samouraï Golf Frog. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Est-ce que ce serait pas la revanche du golf contre la nature représentée par les sangliers? Il a fallu qu'il agisse poussé par l'empathie d'une image en particulier. Ouais, il a fallu le bébé pour qu'il se bouge. Ouais, il y a plein de trucs à dire, hein, son larbin qui porte son sac, là, il est vachement... Il est étonné de voir que... Oh, bah dis donc, il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être un petit cœur qui bat. D'autre part, les grenouilles et les tortues sont papotes, en général. Ouais. En dehors de ça, le style est franchement pas mal. La musique est bien vue aussi avec les petites notes western du glong 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 par moment là. Il y a plein de trucs à dire là-dessus quoi. Que les corbacs retournent bouffer des carcasses et des noix. Maintenant, ce serait rigolo d'analyser ça sous plein d'aspects différents. Est-ce qu'on pourrait pas dire que, en fait, la grenouille, bah, c'est peut-être pas une bourge, parce que bon, c'est pas un vrai golf. Si ça se trouve, le club, elle l'a piqué à un bourge, on sait pas. D'un autre côté, bah, les corbacs, c'est peut-être juste des gens qui se sont organisés entre eux pour pouvoir se nourrir. Et là, il y a l'autre avec son club de golf qui vient leur tabasser la gueule juste parce qu'ils veulent manger. La grenouille est Andy. Il y a plein de trucs. Faire bosser le neurone, mais là, ouais, trop dur pour un vendredi. Alors du coup, on va passer à la lecture. On va continuer les patates chaudes. Donc avec changement de page manuel, comme vous savez. Pardon, Silaosa, si t'es toujours là. J'ai toujours pas mis la commande page qui tourne. Pardon. Je suis désolée. Enfin ouais, si on avait le temps, ce serait rigolo de faire l'analyse du truc... Mais à l'envers, en fait. Plein de symboles, bah ouais. On pourrait se faire une espèce de réunion en mode c'est vraiment les bons gros gauchistes, mais hardcore, qui prennent un truc comme ça et qui font une analyse de 5h30 dessus, avec des avis différents, avec le bâton de parole qui circule. C'est très important, le bâton de parole. Et là, je mettrais des post-it là sur le mur derrière moi. Hein, ce serait... Non, on va pas faire ça. On va continuer la lecture des patates chaudes. C'est mieux. Donc, on en était au moment où je bois un coup. On était au moment de l'histoire de la création de la cinquième branche de la sécurité sociale.
Enfin... Stop les idées à la con. Attends, si j'arrête les idées à la con, je parle plus. Ouais, on se fait un brainstorming sur le rooftop. Ouais. J'assume rien de tout ça, je voulais juste mettre un dessin animé. Madou qui se désolidarise en direct. Non mais sérieux, vous avez tous et toutes assisté à des réunions comme ça. Notamment si vous avez connu Nuit Debout. Alors pour ça, Nuit Debout, c'était très riche en discussions de ce genre. Ou alors, vous prévoyez de faire une réunion politique pour discuter d'actions à mettre en place et de qui fait quoi, comment, où, enfin le truc du concret, du jambon, du fromage. Et il y a quelqu'un qui prend la parole qui dit « Ouais, mais alors, avant de parler de tout ça, il faut quand même qu'on détermine quelque chose tous ensemble, parce que c'est important, et sans ça, on ne pourra pas avancer. C'est quoi la gauche ?» Et là, intérieurement, tu te brises, parce que tu te dis « Ok, la réunion va durer 3 heures, ça va beaucoup parler, et on ne va rien décider. » Il faudra refaire une réunion pour décider ce qu'on va faire, qui, comment, où et avec quoi. Et tu découvres en réunion officielle que les décisions ont été prises en papotant pendant la pause clope. Oui, aussi. Gauche en une phrase, le collectif avant l'individu. Ah non, mais ça marche pas, Stéphane. Ce genre de réunion-là, si tu dis gauche en une phrase... Non, mais tu peux pas limiter la gauche à ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Déjà, le fait de dire gauche en une phrase, déjà, il y en a qui demandent le bâton de parole parce que c'est pas possible de dire des choses pareilles. Une réunion pour préparer la prochaine réunion. Oh là là. Ah bah, une équipe de foot, quoi. Lol, le bot qui censure le message droitard direct. Sinon, dans le style mix Japon médiéval et autres styles, t'as Afro Samouraï qui est très bien. Et Panique Morale toute récente aussi. Puisqu'il est question, je crois que c'est Omar Sy qui est pressenti, non, pour jouer le samouraï noir. Je me souviens plus son nom. Dans un film. Et là, les racistes. Ouais, samouraï, ça peut pas être noir. Bah si, parce que quand on parle du premier samouraï noir, c'est plus pratique de mettre un noir parce qu'on saura que c'est lui, en fait. Parce que c'est l'histoire d'un samouraï qui était noir. Donc, entre autres, il était noir. Enfin bon. Salut Gigi 4054, merci pour le follow, bienvenue. Es-tu de la famille de Gigi Lou? Je sais pas. En plus, c'est un racisé anti-psy qui va péter du capitalisme sur du RZA. Excellent. Excellent. Tu montres ça à un anti-woke qui fait un AVC direct. Comment, on va pas prendre Tom Cruise? Bah non. Bah non. Bon, on essaie de lire un petit peu et on se dit qu'on finit le chapitre. Parce qu'on a pris beaucoup de retard, mine de rien, aujourd'hui. Je crois que j'ai été obligée de dépasser le 3 heures pour finir le chapitre. Alors, la création de ce nouveau risque social doit permettre d'optimiser et de rationaliser les prises en charge des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap. Avec un objectif, faire face à la hausse des dépenses liées à l'augmentation, ces 20 prochaines années, du nombre de personnes âgées dépendantes. Genre, ce serait bien d'anticiper, parce qu'on le sait que le nombre va augmenter. Pour y parvenir, la cinquième branche de la sécurité sociale devra contribuer à garantir à tous les publics concernés l'accès aux mêmes droits sur l'ensemble du territoire, améliorer l'accompagnement proposé,
renforcer les politiques transversales du handicap et du grand âge. Comme les gens qui pleurent sur du contenu politique en écoutant du Rage Against the Machine. Parce qu'elle a une solution, c'est le disque rayé. Genre, c'est très intéressant ce que tu dis, mais moi j'ai besoin de l'image en 300 dpi. Du coup, ils reprennent leur brawl, tu recommences jusqu'à ce que tu aies la pétain d'info. Alors, Ilogeco, tu peux dire pétain ici. Hein. Comme ça, t'as pas besoin de mettre l'astérisque. Et pour le coup, c'est vraiment une insulte quand tu dis pétain. Alors. Hop. Je vous mets le lien vers l'image du livre et de Katia Yacoubi. Avant de continuer plus avant la lecture. Voilà. Donc la LFSS stipule que la CNSA ne dépendra plus de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ONDAM, pour le financement du risque perte d'autonomie. Loi de financement de la sécurité sociale LFSS. Et CNSA, je sais plus. Bah, la cinquième branche, je pense. Attendez, je remonte. C'est pas marqué dans les lignes immédiatement précédentes. Bah, je ne sais pas. Les recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, CASA, la contribution solidarité autonomie, CSA, et pour la première fois en 2021, une fraction de la contribution sociale généralisée, 1,93%, viendront alimenter le budget alloué à la nouvelle branche de la sécurité sociale, soit un montant total de 31,2 milliards d'euros pour 2021. C'est le moment où je vous rappelle que le coût de la virilité, c'est 95 milliards. Le coût de la virilité. Des missions peu précises, si elles restent encore très floues et seront amenées à évoluer au cours de l'année 2021, les missions confiées à la CNSA dans le cadre de ses nouvelles responsabilités sont également précisées dans la loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, la nouvelle branche autonomie prend en charge le financement des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, donc EHPAD et compagnie, les dépenses liées à l'animation, à la structuration des services d'aide à domicile, ainsi que celles liées à la formation initiale et continue des professionnels du secteur. Je change de page. Yups. Les actions en faveur de la prévention de la perte d'autonomie, du bien vieillir et du soutien aux aidants. Le financement des aides individuelles, allocations personnalisées d'autonomie, APA, prestations de compensation du handicap, PCH, congés de proches aidants et la nouvelle aide à la vie partagée, actuellement en cours d'expérimentation, visant à soutenir le développement de l'habitat inclusif. Ça fait beaucoup de domaines pour dépenser un budget qui, somme toute, n'est pas tellement important. Quand on sait que le coût de la virilité, c'est combien ? Oui, 95 milliards, vous avez bien retenu la somme. Des missions qui, pour la Caisse nationale, n'ont rien de vraiment nouveau, puisqu'une grande partie d'entre elles figurait déjà dans son périmètre d'action. Seule nouveauté actée par la loi de financement de la sécurité sociale du 15 décembre 2020, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, jusque-là gérée par la branche famille, dépendra désormais de la branche autonomie. Source Carac Mag. Merci Mazo le Pabo pour ton follow. Bienvenue. On est en train de lire les patates chaudes de Katia Yacoubi, qui est travailleuse sociale sur Marseille et militante insoumise. Pourtant, le projet en cours sur la cinquième branche ne prévoit pas cela. Je me sens responsable de ces patates chaudes. Je souhaite qu'elles puissent trouver leur juste place. Dans la cinquième branche, l'autonomie vient s'ajouter à la maladie, la famille, les accidents du travail et la retraite. La perte d'autonomie est gérée par les départements. En créant la cinquième branche, ils perdent cette gestion. L'autonomie dans le cadre de la cinquième branche n'est abordée que sur un plan d'harmonisation du financement. Salut le raid de Philippe, salut les Philippe Zouz.
Bienvenue, bienvenue. Merci Yolo Le Monde pour ton follow. On est en train de lire, je vais remettre le lien dans le chat, le lien en tout cas de l'image du livre, puisque ce que j'ai là c'est la version auditeur. C'est ici le stream des blagues, c'est le stream où on se tape des barres, hein, on va pas se mentir. Bon là pendant la lecture c'est un peu plus compliqué, mais ça arrive, ça arrive. Et comme la streameuse va semer ses blagues un peu partout sur les chaînes du Gauchistan, le Gauchistan a tendance à venir semer ses blagues dans le chat de la streameuse, ce que la streameuse apprécie vraiment beaucoup. Et la streameuse ne devrait pas parler d'elle à la troisième personne, parce que ça ne se fait pas. Et donc oui, les patates chaudes de Katia Yacoubi, ça parle en fait des gens qui sont fragilisés socialement de plusieurs façons, parce que pauvres, parce qu'il peut y avoir un handicap, il peut y avoir de la dépendance, etc. Ce qui fait que personne ne sait trop par quel bout attraper le dossier, et donc c'est une patate chaude qu'on se refile de l'un à l'autre. Et au final, bah, personne s'en occupe vraiment, puisqu'on est trop occupé à se relancer le bébé. Très de long, la streameuse. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Non, non, c'est sale. C'est sale. Ah, c'est sale, arrêtez. Ah. Non, pas la fille cachée, je suis la fille officielle de mon papa. La streameuse va bien, valeur anarchiste, elle te remercie. Donc, là, on est en train de parler de la cinquième branche de la Sécu. Sa Majesté Barbara Première, la streameuse. Non, 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 ça c'est de droite, c'est de droite. Non, 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 non. Il n'y a pas de majesté à gauche. Nous sommes tous majestueux, mais il n'y a pas de majesté. Donc, j'en étais là. L'idée était en effet de clarifier l'architecture financière de cette prise en charge selon un article dans Libération. J'oubliais, pardon Philippe, ceux qui ne connaissent pas encore Philippe Mezzetti, n'hésitez pas à lui claquer un follow, parce qu'il parle, alors notamment son gros sujet, je pense qu'on peut dire ça Philippe, c'est les communs. C'est son gros sujet, c'est son dada. Non, je ne suis pas de droite! Valeur anarchiste au coin, s'il te plaît, merci. Tu t'auto-théo pendant 3 secondes, s'il te plaît. Donc, n'hésitez pas à follow Philippe. Également, ah oui, alors j'oublie souvent, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer sur le petit logo rond qu'il y a sous votre écran, à gauche, ça vous comptera comme viewer et pas seulement comme raider. Et il paraît que c'est mieux pour les statistiques. Nous vivons dans un monde de statistiques. Non, furtif, t'inquiète. Avant de me fâcher, pouf. Moi, je me fâche avec les bourgeois et avec les fachos. Tuto-toto. Oui, voilà. Merci, valeur anarchiste. Merci. Alors, je reprends la lecture. Et je reprends le paragraphe, comme ça, on sera moins perdu. Pour un ultra-gauchiste très très radical. Oui, dans ces cas-là, je suis à droite, oui. Oui, oui. Je suis à gauche, je suis à droite de l'extrême gauche. Non, mais je suis sûre, c'est bon, valeur anarchie, ça va. C'est bon, c'est compté. Allez, je lis. Je lis, je lis, je lis. L'idée était en effet de clarifier l'architecture financière de cette prise en charge selon un article dans Libération. Il ne peut pas être question que d'argent, mais aussi penser à des créations de services pour des prises en charge de l'autonomie centrées sur la santé et le social, et non plus sur l'emploi. En effet, les structures qui accueillent les personnes en situation de handicap avec comme projet l'insertion professionnelle existent déjà sur le territoire, comme par exemple Cap Emploi, EDA, etc. Et je change de page. Parti que les anards et elles s'autogèrent en ban et théo. Bah s'autogère, il a fallu que je le dise quand même. Hein.
Je me fâche aussi avec celle qui trache la Bretagne. Non, en vrai, non. En vrai, non, Nagual, les gens qui trachent la Bretagne, je peux pas leur en vouloir d'être jaloux et jalouse parce qu'il y a tellement de raisons d'être jaloux et jalouse. Je continue la lecture. Nous ne devrions pas attendre un objectif de qualité renforcé de l'offre d'accompagnement, mais plutôt créer un nouveau dispositif pour un public spécifique qui ne dépend à ce jour d'aucune structure pour un accompagnement long, mais juste sur des actions ponctuelles. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'occupe de toi pendant une brève période, mais on ne s'occupe pas du reste de ta problématique. Et il y a d'autres trucs. Ah bah tiens, allez voir machin. Et c'est bon, au bout d'un moment, les gens ne sont pas une balle de tennis. Donc ce serait bien qu'on ne soit pas obligé de renvoyer tout le temps. Il n'y a pas de Torgoul en Bretonnie, c'est nul. Bah tu peux en amener. Tu peux en amener, mais on n'a pas besoin de Torgoul. On a le gâteau de l'Argoite, on a le phare et on a le Queen Yaman. Donc voilà. Hein. Oui, j'ai pas eu à chercher la commande, c'est vrai, Gigilou. On s'auto-fout la merde aussi. Oui, aussi. Allez. En tant que travailleuse sociale, j'ai une idée précise de ce que pourrait être cette troisième voie. Le public concerné est un public ayant une problématique de santé conséquente avec un frein considérable pour l'emploi. Donc, foutez-leur la paix avec ça. On s'occupe d'eux avant de s'occuper qu'ils plaignent leur place dans le trafic. L'autonomie ne serait pas alors évaluée. Ce public vulnérable peut se mettre en danger et représenter un danger aussi pour les autres. Le public post-AAH qui n'a pas d'accompagnement pourrait aussi en bénéficier. Cela concerne les personnes pouvant être en rupture de soins et avec qui l'accompagnement dans le cadre du dispositif RSA n'est pas possible. L'orientation pourrait se faire par des travailleurs sociaux, des psychiatres, des médecins, infirmiers, tout travailleur du lien. Une évaluation serait faite dans les 15 jours après orientation par les travailleurs du nouvel organisme et une réponse dans les 15 jours qui suivent, soit un mois entre la demande d'orientation dans le dispositif et l'entrée. Un mois, car le danger peut être imminent, une réponse rapide devrait être exigée. Pardon. Le phare, c'est pas bon. Non, mais ne mange pas celui qu'on se met sur les joues, sur les paupières, Nagual. Évidemment que celui-là, il est pas bon. Ou alors c'est pour travailler ta beauté intérieure. Que tu manges du fard à paupières, je sais pas. On ne s'auto-petit-suisse pas, par contre. Ouais. J'ai eu du mal à la dire, celle-là. C'était un piège, hein, c'était un piège. Je sais que c'était un piège. L'équipe serait pluridisciplinaire avec la présence de tout le corps de métier du lien. Psychiatres, travailleurs sociaux, médecins spécialistes, infirmiers, aides-soignants. TESF, je sais pas ce que c'est. Vous savez, TESF ? L'accompagnement étant centré sur le social et le médical, avec une possibilité de travailler sur l'emploi, mais ce dernier ne doit pas prendre une place majeure dans le cadre du suivi. Occupons-nous d'abord de faire en sorte que les gens vivent le mieux possible, sans plus se mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes. C'est un peu plus important que le fait de « Ah, oh, c'est bon, t'es utile à la société, tu travailles. » Les accompagnements peuvent se faire au sein des lieux dédiés, mais aussi dans la vie quotidienne des personnes concernées. Ils percevraient une allocation à la hauteur minimum du seuil de pauvreté qui permet de répondre à leurs besoins essentiels de dignité. Parce que la dignité, c'est pas dans le travail qu'on la trouve, c'est dans le fait qu'on ne soit pas obligé de quémander pour avoir quelques miettes qui ne suffisent pas à vivre et à peine à survivre. Technicien de l'intervention sociale et familiale, merci. Merci, merci. Elle serait gérée en partie ou non par des référents budget avec la possibilité d'être placée en curatelle ou tutelle si la situation le permet. Une personne placée en curatelle reste autonome dans les actes simples de la vie, mais doit être accompagnée pour les actes importants. Notamment pour gestion du budget, etc., etc. Ça y est, c'est reparti sur la bouffe. Ah, mais c'est la France. C'est la France.
La tutelle, quant à elle, est une mesure plus que protectrice. Elle concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie et qui ont besoin d'être représentées dans les actes de la vie civile. Les missions de ce service sont alors de l'ordre de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne durant un temps de 2 ans minimum jusqu'à la fin de vie, selon les profils. Pour Monsieur T, donc Monsieur T, c'est un exemple, c'est une vraie personne qu'elle a eu à suivre et qui fait partie des patates chaudes parce que plusieurs problèmes. Et plusieurs problèmes, donc on fait le tour des services et au final personne s'en occupe vraiment et ça s'appelle la déshérence. Donc pour Monsieur T, s'il devait intégrer un tel dispositif, il pourrait dans un premier temps bénéficier d'un bilan santé global, d'un suivi psychologique sur du long terme qui permettrait qu'une demande AAH puisse être effectuée après 2 ans de suivi médical spécialisé. Et ça permettrait d'attendre les 2 ans financièrement parlant aussi. Il pourrait aussi bénéficier d'un accompagnement budgétaire, Monsieur T utilisant tout son argent, d'après ses parents, dans l'achat de substances illicites. Ceci avec un accompagnement sur l'alimentation, l'estime de soi et l'addictologie dont il souffre. La lutte contre l'isolement, avec par exemple l'accès à la culture, le maintien de ses droits et l'accès aux soins globaux, seraient alors des objectifs à atteindre. Il existe des structures médico-sociales ambulatoires, mais ce public ne peut en bénéficier car il a soit dépassé l'âge requis, soit n'est pas reconnu par la MDPH. Nous avons aussi le CESAD, Service d'éducation spécialisé de soins à domicile, reçoit des jeunes jusqu'à 20 ans et les suit dans leurs différents lieux de vie et d'activité. Notez que chaque CESAD est spécialisé selon le type de déficience. Une notification de la MDPH est nécessaire. Selon la HAS, donc Haute Autorité de la Santé, si ma mémoire est bonne, la finalité de l'intervention du CESAD est de permettre de trouver les réponses nécessaires dans le milieu où le jeune évolue. En effet, il participe à la recherche d'une compensation au handicap psychique, à l'accompagnement et au travail avec l'entourage familial. Mais il ne se situe pas du côté des soins psychiatriques. C'est un service d'enseignement. Oui, monsieur. Pardon, j'ai failli dévoiler ton identité secrète. Valeur anarchiste est en grande forme. Et peut-être que Valeur anarchiste pense qu'il faut se venger des blagounettes que je verse un peu partout. Il se déplace chez les bénéficiaires pour les aider dans la gestion du quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale, oui, les acronymes, c'est... Les demandes émanent des centres médico-psychologiques, des praticiens libéraux, des travailleurs sociaux, des familles ou des personnes directement concernées. Une décision de la MDPH n'est pas indispensable, mais elle le sera pour la mise en place de l'accompagnement de son financement. Les SAVS ont pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes adultes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires et professionnels. Ce service permet un accompagnement individuel mais aussi des temps d'activité collective. En fait, ils sont souvent une aide complémentaire aux équipes soignantes. Une collaboration est donc fréquente et hautement souhaitable avec un centre médico-psychologique, un CMP. L'accompagnement médico-social y bénéficie, quand c'est le cas, d'un contact avec le soin. Ok, valeur anarchiste. Poudoum. Ça y est. Tu l'as eu. Excuse-moi, j'essaie de rester dans le texte. Mais oui, l'histoire des sigles, alors... C'est vrai que, comment dire, les sigles, c'est très chiant quand on, parce que c'est du jargon, hein, ni plus ni moins. Quand on n'est pas dans le système qui utilise ces sigles, il faut qu'on fasse un effort de réflexion. Alors celui-là, c'est quoi déjà? Ah non, merde, non, ça c'est l'autre. Non, alors celui-là, je le connais pas. Et donc à chaque fois, il faut faire l'effort et tout, c'est chiant.
Maintenant, si on se place de l'autre côté du miroir, pour les gens qui sont dans le système qui utilise ces sigles et qui utilisent ces dénominations tous les jours, par exemple, là, on voit le SAMHSA, on va dire, donc S-A-M-S-A-H, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, si tu utilises ça plusieurs fois en une heure, au bout d'un moment, t'en as plein la tronche. Donc, le sigle, c'est plus pratique. Parfois, même dans le système, c'est chiant. Ouais, ouais, ouais. Mais ce sont souvent des dénominations. C'est très bureaucratique, en fait. C'est très bureaucratique, et c'est pour ça que c'est des trucs qui sont longs comme un jour sans pain. Et salut Zipolette, t'es en week-end. Eh ben bon week-end à toi. Quoi le samosa, c'est pas long ça. Moi j'en mange pas de samosa, je suis allergique aux épices. Dans le formulaire MDPH, il y a un nombre de caractères limité aussi. Oui, en plus. Donc ouais. Je peux comprendre ce réflexe. Mais dès lors que tu parles en dehors du système où tu utilises ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu relou. C'est le frappe du sgeg, parce que le scan, et du coup, ils sont partis avec le PTAF, et ils sont revenus avec le FICITEP. Hein ? Sans pain, ça fait beaucoup par jour. Moi, franchement, je saisis pas la différence entre SAMHSA et SAVS. Les missions sont quasiment identiques. Ouais. C'est... Il y a forcément des nuances. Je connais pas assez tout le tout-team pour maîtriser les nuances, en fait. Mais rien que ça, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir plein de services différents avec chacun une mission hyper précise? Hyper spécialisé, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas ça aussi, quelque part, qui crée le phénomène des patates chaudes? Parce que chaque service, il hop, non. Ah, mais non, mais toi, t'es juste là, toi. Donc, t'es pas chez nous. Alors, le lien de ce que je lis, ben, en fait, c'est... Le texte, c'est Katia Yacoubi qui me l'a donné en PDF. Et du coup, c'est la version éditeur. Je crois que ce sera plus simple de faire le replay. My God. C'est pas la même chose, il y en a un qui te suit, l'autre t'épaule dans des démarches en dehors du domicile. Le week-end 2, c'est le concile qui a acté la fin des offices en celte. Oula, ouais, ça se voit que c'est vendredi, tout le monde est en forme, hein. Moi, un peu moins, du coup, mais... J'essaie de finir le chapitre, nonobstant. Allez, on y croit. Continuons dans les sigles. Donc, le SAMHSA, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 18 ans, être reconnu en situation de handicap et avoir l'accord de la Commission des droits et de l'autonomie, CDAPH. Aux fonctions des SAVS s'ajoutent ici les prestations de soins. Ils peuvent être spécialisés dans des troubles psychiques, les suites d'un traumatisme crânien ou dans les déficiences motrices. Nous avons aussi les structures médico-sociales résidentielles. Et là, cette phrase, ça me fait penser à... Mais chez les poux, il y a les poux papa et les poux papa.
On parle trop de bouffe quand même, Sam, ça rit le pain tout à l'heure. Bah non, mais c'est la France. C'est la France, valeur anarchiste. La France, c'est la bouffe. Dans les SAMSA, il y a une équipe médicale liée, il n'y a que les travailleurs sociaux dans la SAVS. D'accord. Du coup, vu la phrase, la seule différence, ce sont les soins possibles en plus. Bah, apparemment, oui. Alors, c'est théorisé dans les années 80 pour lutter contre les institutions totales qui prennent en charge les personnes globalement et dont les dérives, notamment violences en tout genre, ont fait scandale. Ouais, mais du coup, tu te retrouves avec un millefeuille qui est super compliqué à utiliser ou même tenter plus ou moins de comprendre de la part du public. Enfin, de la part du public concerné. Alors que quand tu sais qu'il y a une institution où ça déconne, où ça merde, où ils font des trucs tout pourris comme violence en tout genre, par exemple, est-ce que c'est pas mieux de faire un grand nettoyage par le vide et de reprendre la structure existante, mais cette fois en mettant en place des outils qui permettent d'éviter les dérives. Pour le public, est-ce que ce serait pas plus simple ? SAMSA plutôt voue à l'accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques, d'accord. Il faudrait savoir si quand on bénéficie d'un, ça ferme la porte pour l'autre. Oui, il y a des trucs aussi comme ça, donc... Tu as accès à certaines possibilités. Et ouais, ok, donc on te le recommande et tout, machin. Et après, tu te rends compte qu'il y a un autre truc auquel tu as droit, qui serait peut-être même plus avantageux. Mais comme tu as choisi le premier truc qu'on t'a donné, parce que bah, tu connais rien, tu vas là où on t'oriente, bah, ça te ferme les droits à l'autre truc qui était mieux, au final. Donc... Officieusement, le secteur social est un peu gauchiste, donc moins ils se comprennent, mieux on les tient. Ouais, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça quand même. Toujours divisé pour mieux régner, quoi. Mais au final, c'est toujours le public qui trinque, et en l'occurrence, on parle de public fragilisé. Donc c'est un peu de la grosse dégueulasserie ce qu'ils ont fait quand même. Bon, c'est pas un scoop hein, non plus. Donc, les structures médico-sociales résidentielles. Le foyer de vie ou foyer occupationnel accueille des personnes qui ne peuvent exercer un travail productif, même en milieu privilégié, ESAT. Alerte, alerte, ESAT, alerte. Est-ce que c'est surprenant ? Non. Mais ces personnes ne relèvent ni d'un foyer d'accueil médicalisé, ni d'une maison d'accueil spécialisée. Cependant, elles doivent présenter un taux d'incapacité d'au moins 50%. L'admission se fait sur décision de la CDAPH. Les personnes admises doivent participer aux frais d'hébergement et d'entretien. Notez que leur contribution est plafonnée et l'aide sociale complète les frais d'hébergement et d'entretien. J'ai du mal avec le mot hébergement aujourd'hui. Pendant que je tourne la page, hébergement, 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 je m'entraîne à dire hébergement. Parce que hébergement est un mot comme un autre, hébergement. Sinon, tout va bien. Aïe, aïe, les ESAT, ouais, on est d'accord. La MAS, ou Maison d'accueil spécialisée, propose quant à elle un accompagnement hébergement de longue durée. Les MAS sont financées par l'assurance maladie. Certaines sont spécialisées dans le handicap psychique, d'autres accueillent des personnes multi-handicapées. Elles sont en grande dépendance ou vulnérabilité, nécessitant un accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire, sociale, paramédicale et médicale. Toutefois, l'admission dans une MAS n'est pas forcément une fin de parcours ni une solution palliative, à condition de mobiliser des ressources thérapeutiques adaptées. Et là, on va être d'accord que, vu le peu de budget alloué au social en général et à ce genre de structure en particulier, les ressources thérapeutiques adaptées, pas souvent, j'imagine. On y met un pognon dingue, vous savez ce que ça coûte,
Qui est-ce qui va payer ? Bah ton père, connard. On est d'accord que la plupart du temps, ça se passe pas de la meilleure façon qui soit. Parce que c'est souvent comme ça quand il s'agit de structures qui aident les publics les plus fragilisés. Enfin, on ne devrait pas faire un procès d'intention. Mais bon. Je pense alors que les équipes de soins et les équipes médico-sociales pourraient collaborer étroitement. Il s'agit d'inventer un dispositif adapté à chaque patient. En effet, nous avons d'une part le secteur des soins psychiatriques, le sanitaire qui soigne la souffrance et les symptômes et qui dépend de l'État. D'autre part, nous avons le secteur médico-social qui a un objectif centré sur l'insertion sociale et le développement qui dépend du conseil départemental. Nous avons ici deux visions, deux cultures et deux univers différents, d'autant plus quand le gouvernement et le département ne sont pas du même bord. Merci Kira pour ton follow et bienvenue. En conséquence, nous avons des services sous tension avec un sentiment profond de solitude et de mal-être pour des travailleurs du lien et des patients. Nous parlons ici d'abandon et de maltraitance institutionnelle. Ah oui, je bois un coup, merci. Le concept d'empowerment définit le développement du pouvoir d'agir des individus et des groupes sur leurs conditions sociales, économiques ou politiques. Si des collectifs d'associations s'en sont emparés, très jolie allitération dans cette phrase, le travail social s'y frotte plus timidement. Des politiques, elles, vont sur de l'empowerment néolibéral où tout est vu sous le prisme de l'emploi. Coucou Fabien Roussem. Je défends un pouvoir d'agir solidaire. Il s'agit d'un accompagnement spécifique qui rendrait possible une certaine appropriation du pouvoir sous une pensée profondément humaniste. Celle qui consiste à rendre l'individu acteur de son propre changement dans le collectif en étant soutenu et encouragé par des ressources humaines extérieures. Hop, changement de page. Les représentations de l'individualisation des liens sociaux traversant les sociétés occidentales me conduisent à réfléchir à un accompagnement avec, comme horizon, le pouvoir d'agir. L'empowerment est un humanisme, je n'aime pas du tout ce mot d'empowerment. Ampa. Salut Jashugan. Jashugan. Et non pas Jashugan. Ce mot-là, j'aime pas. Ça fait novlangue, ça fait... c'est peut-être un mot qui vient du combat, d'autant plus quand on voit ce que ça regroupe comme signification, mais j'aime pas. Donc c'est un humanisme, une invitation à faire monde autrement, à casser et dépasser les frontières de nos individualités, de nos propres limites. Nous ne pouvons pas être mis dans des cases. Nous ne sommes pas des robots, mais des gens complexes. La société peut rendre malade plus d'un lorsqu'elle nous demande de nous conformer à une certaine idée de ce que notre environnement et notre place doivent prendre au sein de celle-ci. En résumé, je propose pour ce public-là une allocation revalorisée jusqu'au seuil de pauvreté et automatique pour qu'il n'ait plus à subir les contraintes administratives. Je propose un accompagnement global centré sur le social et le médical, mené par des travailleurs sociaux avec une file active de 30 personnes maximum. Donc, allocation revalorisée, parce que en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Automatique. Oui, parce que quand tu fais partie des publics les plus fragilisés, tu n'es pas forcément en capacité de te cogner toutes les contraintes administratives. Et peut-être que ton entourage, au bout d'un moment, quand tu es personne aidante, t'en peux plus. Juste, tu n'en peux plus. Parce que les personnes aidantes ne sont pas, elles, aidées. Et puis peut-être que tu n'as pas d'entourage aussi. Donc, normal. L'accompagnement global, ça évite de faire la boule de flipper.
ça peut être quand même relativement sympathique. Et une file active de 30 personnes maximum, bah tout simplement pour bien s'occuper des gens. Parce que si t'as quelqu'un dont le dossier est épais comme ça, tellement il y a de problèmes qui s'accumulent, 5 minutes par mois, c'est peut-être un peu court pour aider cette personne. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Donc c'est la fin de ce chapitre. Le prochain chapitre sera le 8, Travail social, acte de résistance et de paix sociale. Et on est à la page 58 sur 75, puisque ce sont des doubles pages. Alors, bon, j'ai dépassé de 16 minutes aujourd'hui. Ça va, ça va. J'ai quand même eu une panne de sucre. 16 minutes, c'est à peu près la durée de l'OLG qu'on a regardée. Donc ça correspond à peu près au moment où il a fallu que j'aille me retaper. Et qui qu'on pourrait raider? J'ai bien envie d'aller raider la chaîne Stop Grossophobie. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas raid. Donc je me dis que ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, on va faire comme ça. Hop, tac, et on va faire comme ça. Et je prépare le raid. Elle est là. Je suis, du verbe suivre. D'accord. Du verbe d'accord. Oui, ça fait longtemps qu'elle n'a pas streamé. Enfin, en tout cas, aux heures où je suis vieweuse. Voilà. Ok, ça va se faire, le raid. C'est bon. Donc, merci d'être venu. Merci d'être resté. Je vous dis à demain. Pour stream de gauche classique, sans lecture, sans invité. Restez de gauche, bien évidemment, cœur sur vous avec des fourches. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Salut!